Allez, on va pouvoir commencer. Rebonjour à toutes et à tous, puisque nous étions réunis déjà ce matin. Cet après-midi, nous accueillons Monsieur le ministre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, pour une audition qui est consacrée, vous le savez, aux violences urbaines survenues dans notre pays à compter du 27 juin dernier et les jours suivants. Des événements qui ont donné lieu à des actes extrêmement graves, qui ont provoqué une vive inquiétude au sein de la population et des élus. Et je pense notamment au maire de L'Haÿ-les-Roses, qui, avec sa famille, a été violemment agressé et qui a fait l'objet de menaces inacceptables. Ces violences urbaines ont été de grande ampleur et elles ont débuté après l'annonce du décès le 27 juin à Nanterre d'un jeune de 17 ans, Naël, à la suite de l'usage d'une arme à feu par un policier dans le cadre d'un refus d'obtempérer, alors que le jeune était au volant d'un véhicule et peu de temps après une diffusion de la vidéo montrant le tir du policier sur les réseaux sociaux. Ces faits font actuellement l'objet d'une enquête en cours et ils ont soulevé beaucoup d'émotions et d'interrogations. Ils ont conduit à la mise en détention provisoire du policier qui avait fait usage de son arme. Le bilan des violences urbaines qui a suivi est particulièrement lourd. On compte plus de 2500 bâtiments incendiés ou dégradés, dont une centaine de mairies, plus de 6000 voitures brûlées, plus de 700 blessés parmi les forces de l'ordre et près de 3600 personnes placées en garde à vue. Et vous avez pour cela, monsieur le ministre, mobilisé un nombre impressionnant de forces de l'ordre, près de 45 000 sur plusieurs jours, qui ont permis le rétablissement de l'ordre en un temps record. C'est un commentaire de ma part. Je vais donner la parole pour une introduction. Ensuite, chaque collègue aura 2 minutes pour intervenir. J'ai moi-même 2 observations. D'abord, moi, je voudrais que vous puissiez tirer les conséquences du déploiement des forces de l'ordre sur ces jours, sur comment elles l'ont été, quel bilan vous en tirez, sur l'usage des vidéos qui a été fait à cette occasion et sur la façon dont le traitement, vous appréciez le traitement judiciaire qui en a été fait. Je voudrais aussi que vous puissiez revenir, puisque c'est un peu le fil rouge de notre action, sur une audition que vous aviez conduite en novembre 2020 devant la commission des lois, et notamment lorsque vous aviez décrit les 7 péchés capitaux de la police qui avaient amené à une réforme importante, le Beauvau de la sécurité. 7 péchés que vous décriviez comme le manque de moyens, le manque d'encadrement, le manque de formation, le fonctionnement des inspections, le recours à la vidéo, la relation de la police avec les citoyens et la relation de la police avec la justice, qui ont donné lieu à plusieurs interventions avec un renforcement inégalé des moyens, c'est la LOPMI, avec des évolutions en cours, notamment sur l'encadrement dans la police, sur l'augmentation de la durée de formation. Et je voudrais voir, dès lors que ces mesures sont des mesures de long cours qui appellent à des évolutions profondes et qui ne peuvent pas se traduire par des changements immédiats, le bilan que vous en faites aujourd'hui, à date, et ce que vous en attendez à l'avenir. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Tout d'abord, je voudrais une fois encore saluer l'action des élus, notamment des maires, des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des policiers municipaux, qui durant la semaine du 27 juin au 4 juillet ont connu plusieurs nuits d'émeutes et d'actes de délinquance extrêmement graves. Une fois de plus, je pense que tout le monde a vu qu'ils ont démontré, le mot n'est pas trop fort, qu'ils étaient des héros du quotidien de la République pour protéger nos concitoyens, le bien public et également les biens privés. Entre le 27 juin et le 4 juillet, 850 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ou policiers municipaux ont été blessés, parfois grièvement. Ce sont eux qui ont permis à l'État de tenir bon face au désordre et de rétablir, comme vous l'avez dit, merci Monsieur le Président, l'ordre public dans un temps le plus rapide possible. Comme chacun le sait, les violences que nous avons connues ont démarré après le drame survenu à Nanterre, vous l'avez rappelé Monsieur le Président, le 27 juin dernier, avec le décès d'un jeune homme lors d'une action de police par 2 motards de la DOPC qui dépendait de la police des Hauts-de-Seine. Dès le début, je crois qu'on peut constater que la transparence a été totale sur ce drame, qu'il s'agisse des expressions publiques que j'ai pu tenir ou celles de la Première ministre, et évidemment de la justice, qui a été saisie très rapidement. Le policier a été mis en cause, a été immédiatement entendu puis placé en garde à vue pendant 48 heures avant d'être mis en examen et placé en détention provisoire. L'inspection générale de la police nationale a été saisie par les services de la justice, d'abord par le procureur de la République, puis par des juges d'instruction. Je veux évidemment dire que la mort de ce jeune homme a suscité parmi nombre de nos concitoyens une émotion très forte et légitime, mais la perte de la vie d'un homme et singulièrement d'un adolescent de 17 ans est toujours un drame. Quel lien cependant entre ce drame et les violences très fortes qui lui ont succédé? Quel lien entre la mort de ce jeune homme et l'attaque de 90 établissements scolaires, écoles, dont certaines d'entre elles ont été totalement détruites, de 103 mairies,
de 180 commissariats, casernes de gendarmerie, brigades de sapeurs-pompiers, bureaux de police municipale. Quel lien entre la mort d'un jeune homme et les menaces et agressions physiques extrêmement fortes, parfois très graves, qui ont touché 27 élus, dont, vous l'avez dit, le maire de L'Haÿ-les-Roses, mais il n'est pas le seul. Je pensais évidemment au maire de Charleville-Mézières, à la maire de Pontoise et bien d'autres, bien évidemment, auxquels nous apportons tout notre soutien. Rien ne peut justifier ces violences qui sont à la fois destructrices et particulièrement spectaculaires, parfois particulièrement belliqueuses vis-à-vis des institutions et de nos forces de sécurité, et des milliers de commerces qui ont été pillés ou détruits. C'est sûr que ces attaques ont d'abord principalement visé des services publics un peu partout sur le territoire national, sans distinction de quartier ou de commune. Beaucoup ont été touchés, qu'il s'agisse de centres urbains très importants ou de communes plus rurales, qui ne connaissaient jusque-là pas de violence urbaine particulièrement, là où d'habitude nous avons d'autant plus besoin de la République. Nous pouvons ici le redire, et étant élu de ses propres quartiers populaires, je sais que, comme beaucoup d'entre vous, nous le savons tous, les désordres, les quelques milliers de personnes, difficiles à évaluer, on y reviendra si vous le souhaitez, ne représentent évidemment pas l'immense majorité des habitants des quartiers populaires, des plus jeunes d'entre eux qui veulent vivre au sein de notre République et pouvoir être protégés dans leur épanouissement personnel, d'études ou professionnel. Comme tous les Français, je sais qu'ils condamnent ces violences. Et ils sont d'ailleurs les premières victimes de ces violences, ceux qui n'ont pas pu sortir pendant plusieurs nuits parfois de chez eux, qui ont vu leurs médiathèques, leurs écoles, leurs mairies, leurs postes de police, leurs commerces, leurs postes brûlés. Dès le début de cet épisode de violence, nous avons pris à la demande du président de la République des mesures d'une grande fermeté qui, je crois, étaient totalement proportionnées avec les difficultés que nous avons connues. Je veux dire d'ailleurs que tout cela s'est fait sans recourir à aucun article de la Constitution qui prévoyait un état d'urgence particulier, sans prendre de mesures de restriction des libertés, en laissant l'autorité judiciaire faire son travail sans aucune espèce de restriction, et avec les moyens de droit commun qui sont mis à disposition du ministre de l'Intérieur et des préfets de la République. Le jour de ce drame, nous attendions évidemment quelques réactions qui relevaient des manifestations, puisqu'elles avaient été annoncées. Et donc nous nous préparions à une soirée, voire une nuit d'ordre public, c'est-à-dire de manifestations à encadrer, même spontanées, même entre guillemets sauvages, non déclarées en préfecture. Et nous sommes aperçus la première nuit qu'il ne s'agissait pas de manifestations, mais d'actes de délinquance. Et donc le dispositif d'ordre public n'était pas le meilleur pour tenir cela, puisque s'attaquer à des émeutes urbaines n'est pas tenir des manifestations, même spontanées. C'est pour cela que nous comprenons qu'il y a une sorte de changement de posture du ministère de l'Intérieur entre la première nuit où nous attendions des manifestations aux autres nuits où nous avons compris que nous avions affaire à des violences urbaines que rien ne laissait prévoir dans ces proportions, bien évidemment. Et c'est pour cela que le travail que nous avons fait était un travail, en effet, de lutte contre ces émeutes urbaines et ces actes de délinquance. C'est pour cela que, dès le lendemain, j'ai décidé de déployer 45 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire national, avec comme soutien des unités d'intervention particulièrement spécialisées que chacun connaît, le RAID, la BRI, la GIGN pour chacun des zones de compétence, des moyens spécialisés tels que les hélicoptères de la gendarmerie nationale. Un tiers de ces hélicoptères ont volé. J'entends parfois que 100% d'entre eux ont été utilisés. Ce n'est pas vrai. Un tiers de ces hélicoptères ont volé. Des drones qui ont été utilisés, évidemment, puisque vous nous les avez autorisés, mesdames et messieurs les parlementaires. Et des véhicules blindés, notamment de la gendarmerie nationale, qui ont été autorisés par la Première ministre, puisque ce dispositif est, sur proposition du ministre de l'Intérieur, autorisé par la Première ministre. La consigne qui était donnée était une consigne d'interpellation systématique de toute personne qui commettait des actes de délinquance. Ces moyens inédits ont été, je crois, à la fois dissuasifs et efficaces. Et vous l'avez dit, au bout de 4 jours, les émeutes urbaines, dont certains les ont comparées aux épisodes de 2005, qui ont duré bien plus longtemps, chacun s'en rappelle, avec l'utilisation de l'état d'urgence, sont retournées dans un calme au début relatif, puis désormais total. Et chacun a pu constater que 2 week-ends sont passés, notamment les fêtes des 13 et 14 de juillet, dont on prétendait en effet qu'ils auraient été un match retour, bien évidemment. Les instructions donc de très grande formaté ont donc permis, avec les moyens exceptionnels déployés, de réaliser
un nombre important d'interpellations. Dans la nuit du 29 au 30 juin, 988 interpellations. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, 1299 interpellations. Dans la nuit du 1er juillet au 2 juillet, 781 interpellations. En tout, c'est près de 3800 personnes qui ont été interpellées et ainsi retirées des rues pour empêcher de nuire et s'en prendre aux bâtiments publics ou aux personnes. Monsieur le ministre de la Justice est à votre disposition, évidemment, pour les suites pénales réservées, mais chacun a vu qu'elles ont été fortes et fermes, d'autant plus remarquables qu'un tiers des personnes interpellées étaient des mineurs. La moyenne d'âge était entre 17 et 18 ans, toute interpellation confondue, et plus de la moitié d'entre eux n'étaient connus d'aucun service de police et de justice. Je voudrais ici souligner le travail qui a été fait par le ministère de la Justice, par la circulaire prise par M. le garde des Sceaux et par les décisions de justice prises par l'autorité judiciaire qui a contribué, bien évidemment, non seulement à renforcer le travail des policiers et des gendarmes qui ont pu, dans l'urgence, avoir un travail d'investigation qui était complexe et permettre effectivement de condamner très fortement des personnes qui s'en prenaient aux personnes ou aux biens. Dans cette crise, je veux relever, peut-être contrairement également à 2005, que les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement important. C'est pourquoi nous avons reçu, à la demande du président de la République et de la Première ministre, avec le ministre en charge du numérique, les représentants en France des principaux réseaux sociaux. Et nous leur avons demandé de se montrer particulièrement réactifs dans le retrait des contenus signalés en lien avec des actes de violence, conformément à la loi. Et nous avons également pu compter sur la coopération des grands sites de vente en ligne pour retirer les objets incendiaires de leur catalogue. Le sujet des mortiers était particulièrement présent, vous le savez bien, pendant ces émeutes urbaines. La plateforme Pharos de la police judiciaire a par ailleurs été très mobilisée. Plus de 2000 signalements de contenu illicite ont été pris en compte, 2032 exactement, ce qui a permis de contribuer à initier des centaines de procédures judiciaires et à identifier de nombreux auteurs d'infractions qui sont encore d'ailleurs aujourd'hui dans un processus d'interpellation. Ces différents facteurs associés au fait que la police judiciaire a été associée dès le début aux atteintes faites contre les personnes ou contre les biens, a permis de mettre la police technique et scientifique au début de chaque affaire, ce qui aurait relevé classiquement peut-être d'un travail d'OPJ, de commissariat ou de gendarmerie mobile, accompagné par la police judiciaire, de très nombreuses interpellations. 345 ont été faites postérieurement aux émeutes et une très grande partie des méfaits qui ont été constatés ont pu connaître au moins un de leurs auteurs à être confondu devant la justice grâce à l'exploitation de la vidéoprotection qui a été particulièrement efficace dans cette période. Et on a d'ailleurs vu une différence entre les communes qui avaient installé des caméras de vidéoprotection et celles qui ne l'avaient pas faites. Évidemment, l'installation et la mobilisation de la police technique et scientifique, comme je l'ai dit, et de la police judiciaire. Permettez-moi de remercier une nouvelle fois les élus, singulièrement les maires, qui ont mobilisé toutes leurs ressources, et notamment leur police municipale, qui ont payé un lourd tribut devant les difficultés, les agressions, les insultes, mais aussi les menaces en dehors de leur service pour accompagner la réponse de l'État. Ayant été maire et connaissant bien sûr la police municipale, je sais que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un maire contribue à rappeler ses agents, à les empêcher de partir en congé ou les utiliser évidemment dans un lien de travail avec le ministère de l'Intérieur pour une police dont ce n'est pas le quotidien, mais sans les polices municipales, nous aurions eu plus de difficultés, évidemment, à rétablir cet ordre public dans les temps records que vous avez évoqués, monsieur le Président. Dès la fin de ces violences urbaines, le gouvernement s'est employé donc très rapidement et sous l'autorité du président de la République à penser le temps d'après en prenant les mesures d'accompagnement des collectivités territoriales et singulièrement la réparation des caméras de vidéoprotection qui ont été attaquées en premier lieu et de façon coordonnée par les émeutiers. Vous avez vu les annonces de 20 millions d'euros faites dès cette année pour réparer et reconstruire les 1000 caméras de vidéoprotection qui ont été supprimées ou attaquées. À plus long terme, la réponse ne pourra évidemment pas être une réponse de sécurité. Quand des adolescents de 11 ou 12 ans attaquent au mortier des policiers, pillent des magasins, parfois accompagnés d'une partie de leurs parents. Eux ou, évidemment, mettre le feu à une école, ce n'est pas la police ou la gendarmerie qui peuvent répondre à cette question, mais c'est l'ensemble de la société. Je crois que chacun ici en convient. Je voudrais aussi remercier, depuis le 6 juillet, nous avons donné instruction au préfet en lien avec l'autorité judiciaire et ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, pour les douanes, la multiplication des contrôles dans les départements frontaliers de véhicules visant à prévenir l'importation d'articles pyrotechniques qu'on appelle mortiers destinés à un usage illégal. Nous avons multiplié les opérations de contrôle. Vous aurez constaté que ces saisies étaient extrêmement importantes, puisqu'entre le 6 juillet et le 15 juillet, plus de 160 000
saisies ont été faites sur tout le territoire national, avec un usage d'artifices contre les forces de sécurité intérieure et les bâtiments publics pendant les 13 et 14 juillet qui ont diminué de 60%. Et chacun l'a vu d'ailleurs, un 13 et 14 juillet qui connaît, et c'est le paradoxe de notre période, une soirée relativement calme, à quelques exceptions près, bien évidemment. Ces 13 et 14 juillet, ce dispositif de sécurité qui a été reconduit a pleinement joué, puisque les incendies de véhicules ont diminué de 21%, les blessés au sein des forces de sécurité et de pompiers ont baissé de 74%, et dans le même temps, nous avons entrepris 252 interpellations de personnes qui, effectivement, pouvaient s'en prendre aux bâtiments publics ou aux personnes. Pour répondre directement à votre question, Monsieur le Président, il est évident que la conséquence ou les conséquences du Beauvau de la sécurité sont en train de se voir par la traduction budgétaire. Je rappelle que l'année prochaine sera notre première année budgétaire de la concrétisation du Beauvau de la sécurité, mais un certain nombre de dispositions ont été prises en amont. Je pense bien évidemment à la construction systématique de centres de tir, par exemple, pour les forces de l'ordre, ce qui n'était pas le cas dans les commissariats d'aujourd'hui, qui les empêche de tenir leurs trois tirs administratifs, puisque 60%, vous le savez, des policiers ou des gendarmes font leurs trois tirs administratifs classiques. Vous dire évidemment que nous avons augmenté les 4 mois de formation, comme nous l'avions dit, en passant de 8 à 12 mois, avec par exemple plus de 100% de cours sur les techniques d'interpellation, ce qui n'était évidemment pas le cas. Et les policiers qui sont aujourd'hui, ou les gendarmes qui sont aujourd'hui en école, sont en train de subir cette nouvelle formation. Et donc ce sont qu'à partir de cette année que les sorties d'école vont évidemment être des conséquences du Beauvau de la sécurité. Et je veux évidemment dire que les caméras piétons équipent l'intégralité de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les conditions que vous connaissez. Il est évident que la question qui s'est posée pour le drame de Nanterre fait qu'il y a eu une difficulté sur les motards qui ne pouvaient pas porter leur caméra piéton, m'a-t-on dit, du fait de leur équipement de protection. Et donc c'était évidemment une bévue que de ne pas l'avoir vue auparavant. Et je vais donner évidemment instruction au directeur général de la police nationale et au préfet de police pour que les choses soient changées d'ici la fin de l'année, bien évidemment. Merci, monsieur le ministre. Alors, monsieur Thomas Rudigo, vous avez la parole pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il y a 3 semaines, notre pays était frappé sur l'ensemble du territoire par de violentes émeutes urbaines perpétrées par des individus résolus à en découdre avec les forces de l'ordre et à s'en prendre aux institutions républicaines, aux élus et à piller des commerces. Face à l'épreuve et face à ces violences d'une ampleur inédite, la police, la gendarmerie ont fait montre d'un courage et d'un dévouement exemplaire pour défendre nos mairies, nos écoles, nos commissariats. 722 policiers et gendarmes ont été blessés, auxquels s'ajoutent 35 pompiers, et je souhaite leur rappeler notre total soutien. Face à cela, des responsables politiques de la France insoumise ont refusé de condamner les émeutiers et n'ont cessé de jeter de l'huile sur le feu. Nos concitoyens ont été consternés face à cette irresponsabilité, car lorsque l'on exploite ainsi les colères, on sort de l'arc républicain, comme l'a si bien rappelé Madame la Première Ministre. Le constat de ces émeutes, monsieur le ministre, est celui d'un moment où les violences changent de dimension. Les forces de l'ordre ont essuyé des milliers de tirs de mortiers d'artifice et parfois même des tirs de fusils à pompe. En réaction, monsieur le ministre, vous avez déployé 45 000 policiers et gendarmes, soit 40% des effectifs des forces de l'ordre françaises, appuyés par des éléments d'élite tels le JGN, la BRI et les RAID. Parmi les forces déployées, je n'oublierai pas les polices municipales, vous l'avez dit, monsieur le ministre, qui ont été mobilisées en deuxième rideau et en appui de notre police nationale. Ainsi, dans mon département, le Rhône, la maire socialiste de Vaux-en-Velin ou le maire LR de Rieux-la-Pape ont réalisé un travail partenarial de grande qualité avec la préfecture et avec le DDSP. Malheureusement, tel ne fut pas le cas à Lyon, où le maire écologiste a refusé d'apporter le concours de sa police municipale. Monsieur le ministre, à l'aune de ces événements, quels seraient les points à améliorer, selon vous, dans le continuum de sécurité face à de telles violences ? De même, quel bilan faites-vous de la coordination entre les différents services, police nationale, police municipale et gendarmerie ? Je vous remercie. Merci, monsieur Johan Gillet. Ça fonctionne. Monsieur le ministre, des émeutes ont embrasé le pays. Chacun a pu constater la violence des émeutiers, leur désir de piller, de détruire les symboles de la République, voire même de tuer.
Nos compatriotes ont été sidérés de voir que de jeunes adultes, voire de très jeunes adolescents, ont activement participé à ces émeutes. Les Français ont été témoins de toutes ces exactions et réclament à juste titre des actes. Ils s'interrogent tout aussi légitimement sur le profil des émeutiers. Car si nous voulons tirer des conséquences de ces émeutes, si nous voulons tirer les conséquences de ces événements dramatiques, il convient d'obtenir d'abord et d'identifier les émeutiers. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, je ne vais pas passer par quatre chemins. Pouvez-vous nous communiquer des informations précises sur le profil socio-professionnel des émeutiers ? Parmi les délinquants arrêtés, quel est le pourcentage d'individus étrangers et quelles sont leurs nationalités ? Parmi eux, combien sont des binationaux ? Et quelles sont ces binationalités ? Parmi les mineurs ou jeunes adultes, combien ont des parents de nationalité étrangère et combien sont des binationaux ? Parmi les mineurs, combien sont déscolarisés ? Parmi ces délinquants, quelle est la proportion de ceux qui sont sans activité étudiante ou professionnelle ? Combien touchent eux ou leurs familles, pour les mineurs, les minima sociaux, le RSA, les allocations, CAF, etc. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, je vous demande une pleine transparence. Vous ne réglerez pas le problème tant que vous refuserez d'être transparent et surtout tant que vous nierez la réalité, tant que vous tenterez de faire croire aux Français que les émeutiers s'appellent Mathéo et Kevin. Bref, vous ne réglerez pas le problème tant que vous ferez l'impasse sur les conséquences de l'immigration massive dont les Français ne veulent plus. Merci. Merci, monsieur Jean-Philippe Nilor. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, le 19 novembre 2020, Michel Zecler, un citoyen comme vous et moi, compatriote martiniquais, vivant dans l'Hexagone, était violemment et gratuitement tabassé par quatre policiers alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. En décembre 2020, en Guadeloupe, monsieur Claude Jean-Pierre, âgé de 67 ans, mourait à la suite d'un contrôle policier et le 29 juin dernier, le jeune Naël, 17 ans, mourait des suites d'un tir mortel d'un policier lors d'un contrôle. Dans ces faits policiers ou ces faits d'armes, heureusement que les vidéos ont parlé. Livrant une vérité crue, difficile à tronquer, ces vidéos contredisent les assertions relayées à grand renfort médiatique tendant à nier les contrôles aux faciès et les violences policières. Les actes racistes sont perpétrés quotidiennement en France, tout comme les discours racistes sont prononcés quotidiennement dans cette Assemblée nationale. La liste des victimes de ces méfaits est longue. Dans nos territoires dits d'outre-mer, laboratoire de répression, en 1967, 87 Guadeloupéens qui réclamaient leurs droits sont tombés sous les balles des forces de l'ordre. En Martinique, en 1974, deux ouvriers ont été assassinés, le préfet ayant ordonné de tirer sur la foule sans discernement. Ces faits têtus incriminant les forces de la République que vous soutenez sans réserve se sont bien déroulés dans ces territoires, anciennes colonies, avec une férocité rarement atteinte dans l'histoire de la férocité, là où les populations ont la mélanine la plus colorée. De cela et de cela, pas de mea culpa et encore moins d'hommage à la nation, nulle trace non plus dans les livres d'histoire. Simple oubli, mépris ou déni assumé. N'y voyez-vous pas la preuve de violence policière institutionnalisée et systémique ? La délinquance de certains jeunes, la responsabilité parentale, le choc de civilisation ne saurait être votre mantra. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt, je termine, êtes-vous prêt à briser ? Monsieur Éric Pogé. Merci, président. Monsieur le ministre, fin juin, quatre nuits durant, notre pays a été frappé et meurtri par des émeutes d'une violence inouïe. Attaque des symboles de la République, des figures d'autorité que sont nos forces de l'ordre, nos institutions, agressions d'élus, pillages de commerce, autant d'atteintes à notre état de droit injustifiable et inexcusable. Rien ne peut justifier un tel déferlement. Face à ces violences urbaines, de nombreuses polices municipales, et vous en avez parlé, troisième force de sécurité du pays, ont été sollicitées pour appuyer les forces de sécurité nationale, investies de fait d'une mission régalienne de maintien de l'ordre. Ils ont pris toute leur part aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie par leur professionnalisme et leur courage, à l'interpellation des 3800 délinquants pendant les nuits d'émeute. Les policiers municipaux sont et sont devenus des forces de sécurité incontournables. Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer le nombre de policiers municipaux en service pendant les émeutes ainsi que pendant les festivités du 14 juillet, le nombre de blessés dans leur rang, ainsi que la répartition territoriale de ces effectifs. Enfin, quelle stratégie partenariale envisagez-vous de mettre en œuvre afin de rendre cette coopération et cette complémentarité encore plus opérationnelles
Et envisagez-vous de mettre à l'honneur le dévouement de nos policiers municipaux, nos maires, l'appel de leurs vœux? Merci. Monsieur Emmanuel Mandon. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc nous avons tous été, ça l'a été dit, sidérés individuellement et collectivement par l'ampleur de l'explosion de violence qui s'est déchaînée, qui a embrasé nombre de quartiers de nos villes entre le 27 juin et le 5 juillet dernier. Ces 10 jours de violence incontrôlable et imprévisible. Nous avons été choqués, ça a été dit, par les atteintes aux personnes, notamment les forces de l'ordre, services de secours auxquels nous apportons un soutien, et puis également aux élus locaux. Les dernières estimations sur les biens matériels sont tout à fait édifiantes. Et je veux dire que chacun sur son territoire a assisté impuissant à ces déchaînements de violence. Et ainsi, dans mon département, par exemple, de la Loire, où on a pu noter un bilan extrêmement lourd, je pense à Saint-Étienne, mais aussi dans ma circonscription, la ville de Rive-de-Gier. Je dois dire que les commerces détruits, les mairies détruites, se montrent à quel point la situation pouvait paraître incontrôlable, ce qui a préoccupé énormément nos concitoyens, les élus et tous les acteurs. Heureusement, les services de l'État déconcentrés ont été très réactifs, et je crois qu'on doit s'en féliciter. Ils se sont mobilisés très vite aux côtés des élus pour les accompagner, et accompagner les municipalités pour veiller à la continuité des services publics et autant que faire se peut rétablir l'ordre public. Nous allons adopter d'ici la fin de la semaine un texte habilitant le gouvernement à accélérer la reconstruction des bâtiments dégradés lors des violences urbaines. Face aux attentes légitimes des maires, nous serions preneurs d'éléments de méthode et sur la procédure et éventuellement le calendrier. Sur la vidéosurveillance, vous avez souligné son importance. Nous disons que malheureusement, tous les territoires ne sont pas équipés. Et lorsqu'ils le sont, les images ne sont pas exploitées en temps réel. Avez-vous des éléments, là aussi, pour permettre une meilleure articulation entre les différents acteurs publics et une meilleure efficacité du dispositif? Merci. Monsieur Roger Vicot. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. D'abord, dire qu'effectivement, même si la colère qui a suivi la mort de Noël est tout à fait compréhensible, rien ne peut excuser, évidemment, les pillages qui ont lieu par la suite et encore moins les attaques contre tous les symboles, du service public. Alors, par coïncidence, il se trouve qu'il y a quelques minutes, avant le début de cette réunion, nous étions en audition de Madame Pauline Schnapper, qui est professeure de civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne, sur la mission d'information sur l'activisme violent et notamment les violences urbaines. Et c'était très intéressant parce que Madame Schnapper nous a décrit véritablement un autre monde, à quelques centaines de kilomètres d'ici, au Royaume-Uni, non pas qu'il ne s'y passe rien, bien entendu, mais où elle nous a expliqué que le discours au plus haut niveau, dans la police, mais aussi au gouvernement, est très axé sur la proximité et surtout, par exemple, puisqu'on parle de manifestations ce soir, et surtout sur la protection du droit à manifester. Un exemple. Pendant les cérémonies du couronnement du roi Charles, un militant républicain a été arrêté et mis en garde à vue, ce qui a été considéré comme un véritable scandale au Royaume-Uni. Alors, c'est une introduction pour poser le tableau, mais je voudrais vous poser deux questions, Monsieur le Ministre. Il a été beaucoup question de la loi de février 2017 sur la loi Cazeneuve sur l'utilisation des armes par les policiers en état de légitime défense. Nous avons demandé une mission d'évaluation de cette loi. Est-ce qu'à titre personnel, vous pensez que cette loi doit être évaluée? Comment? Qu'est-ce qui n'a pas été compris dans cette loi? Comment elle pourrait être améliorée éventuellement? Et deuxième question, pensez-vous que la formation de nos policiers doivent être modifiée? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans cette formation? Et pas seulement l'allongement de la durée de formation, mais sur quel point elle pourrait être améliorée de manière à éviter demain les excès qu'on a pu... Merci. Qu'on a pu. Monsieur Didier Le Maire. Monsieur le ministre, dans le contexte de violences urbaines que notre pays a rencontré, le calme est fort heureusement revenu. Il faut saluer la fermeté dont vous avez fait preuve par l'action coordonnée du gouvernement et notamment des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Je vais évidemment rendre hommage à nos policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui ont été fortement sollicités et en première ligne, et j'ai envie de dire une fois de plus. Monsieur le ministre, ma question concerne l'équipement des forces de sécurité intérieure. Pour que nos sapeurs-pompiers puissent intervenir en toute sécurité dans ces circonstances, ils ont besoin des forces de l'ordre et j'ai une pensée pour mes anciens collègues pompiers de Mulhouse qui, comme tant d'autres, ont vécu un odieux guet-apens qui aurait pu mal se solder.
Dans ce contexte de violence urbaine, des commissariats et brigades de gendarmerie ont été attaqués. Or, il semble que les équipements de protection pour le maintien de l'ordre ne soient pas présents en quantité suffisante, alors qu'il est impératif qu'ils puissent se protéger dans leur casernement, mais aussi pour venir renforcer les effectifs dans les secteurs les plus impactés. De même, la généralisation des caméras embarquées dans les véhicules ne permettrait-elle pas de faciliter l'enquête judiciaire pour intercepter puis juger les auteurs de ces méfaits abjects ? Je vous remercie. Madame Sandra Rogol. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne vais pas répéter ce qu'on dit à l'ensemble de nos collègues. Tout le monde ici regrette, condamne le fait que les quartiers les moins dotés en services publics, les moins dotés tout court et les plus défavorisés soient ceux qui aient le plus souffert des casses et des destructions. On le dit avec des mots différents, on le dit avec des styles différents, on l'exprime de façon différente, mais tout le monde se rejoint dessus. Ce serait bien que l'on puisse sortir de ces attaques permanentes. J'ai en tête l'audition que nous avons eue la semaine dernière avec l'IGGN et l'IGPN. Je me souviens que dans cette audition, nous avons acté le fait que critiquer, c'était quelque chose de constructif et que c'est ce qui permettait d'avancer. J'espère que vos réponses seront à la hauteur de cette capacité de construire. J'ai deux questions rapides, Monsieur le Ministre. D'une part, sur l'audition de la semaine dernière, où l'IGGN nous a rappelé qu'il y avait eu zéro mort en 2022 de leur côté par refus d'obtempérer, s'opposant aux 13 morts côté police, que c'était pas par hasard, mais le fruit d'un travail coordonné avec l'ensemble de la gendarmerie pour former les agents au tir, aux situations difficiles, pour éviter aux agents de se retrouver dans des situations qui les poursuivent tout le reste de leur vie et permettre à l'ensemble de la population de se retrouver dans le traitement qui en a été fait. Deuxième question, c'est la question de l'usage et non celle de la loi, pour sortir un peu des questions précédentes. Et enfin, je m'interroge quand je vois le trajet de certains des policiers, en particulier celui qui est incriminé dans le tir qui a causé la mort de ce jeune homme. Il provient, il était peu de temps auparavant à la BRAVEM et avant ça à la CSI 93. Je rappelle que la BRAVEM a été créée alors même par les agents de la CSI 93, alors même où les procès étaient en cours contre la CSI 93, dissoute depuis pour des actes très graves. Monsieur le ministre, comment se fait-il Merci. Que dans un esprit de cohésion... Merci pour tout le monde. Monsieur Pierre Morel-Alussier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les forces de l'ordre, les pompiers et toutes les personnes qui sont intervenues pour protéger nos compatriotes. Je pense aux élus et tout particulièrement à Stéphanie Vaneuve, là où vous l'avez cité, maire de Pontoise, qui a été très choquée par ce qu'elle a vécu. Cette semaine-là, tout porte à croire qu'il s'agit d'une géographie nouvelle dont on n'a pas l'habitude, qui s'est constituée en mouvement violent. Ma première question s'intéresse donc aux moyens humains et aux ressources dont nous disposons en cas de mobilisation massive. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Nous apprenons ce jour que plus de 1000 condamnations ont été prononcées avec près de 600 détentions. Aussi, ma seconde question s'intéresse au profil des émeutiers. Qu'en déduisent vos services ? Enfin, troisième question, pour faire rapide, envisagez-vous des adaptations vis-à-vis de la doctrine d'intervention ? Et je ne serai conclure sans rappeler votre implication et vous remercier de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses à cette première série de questions. Merci, Monsieur le Président. Alors, la question de Monsieur Rudigoz, comment améliorer le continuum de sécurité, c'est une question auquel on a, je crois, déjà répondu dans la loi, mais surtout le Conseil constitutionnel a répondu sous les souhaits du gouvernement et du Parlement, parce que je rappelle que c'était une proposition de loi signée par deux de vos collègues, notamment Jean-Michel Fauvergue, sur le fait qu'il fallait donner davantage de moyens aux polices municipales, ce qui, me semble-t-il, est du bon sens, dans leur action et dans ce qu'on appelle ce continuum de sécurité. Qu'a dit le Conseil constitutionnel ? Vous le savez, même d'un point de vue expérimental, il n'a pas autorisé le fait que les polices municipales aient des moyens supplémentaires, notamment d'action de police judiciaire, de passage de fichiers, de regard d'un certain nombre d'actes d'enquête ou de considérer comme étant des actes d'enquête, au motif qu'ils ne sont pas sous l'autorité du procureur de la République, ce que sont les policiers et les gendarmes. Bon, je voudrais rappeler ici que le ministre de l'Intérieur les embauche, essaie de les former, essaie de les équiper, peut donner un certain nombre de moyens administratifs, mais ils agissent toujours, y compris lorsqu'ils font des contrôles d'identité, sous l'autorité, bien évidemment, du procureur de la République. Et donc, si nous voulons modifier de nouveau
ce continuum de sécurité pour renforcer la coopération police, gendarmerie, police municipale en donnant des moyens nouveaux, ce que vous souhaitez dans votre question donnée, et qui reste à la disposition des maires, puisqu'il y a quasiment, je caricature, mais autant de police municipale qu'il y a de maires, puisqu'il y a ceux qui décident de ne pas en avoir, ceux qui décident d'avoir une police municipale armée, il y a des types d'armements différents, il y a du travail évidemment différent sur les polices municipales, donc il n'y a pas une police municipale, mais des polices municipales. Il nous faut deux choses, soit modifier la Constitution pour permettre une exception pour les polices municipales, ce qui ne me paraît pas être à l'ordre du jour, et peut-être est-ce un peu excessif, mais pourquoi pas en discuter. En tout cas, ça ne peut pas se faire à droit législatif constant, si j'ose dire. Ou alors, il faut que les maires acceptent de mettre à disposition du procureur de la République leur police municipale. C'est-à-dire qu'ils sont, comme le ministre de l'Intérieur, employeurs, mais qui ne sont pas ceux qui commandent de fait les polices municipales, puisque le maire a beaucoup plus d'action vers la police municipale que le ministre de l'Intérieur en a avec ses policiers, puisque par définition, les actes d'enquête ne sont pas faits à la demande du ministre de l'Intérieur, mais sont faits à la demande de l'autorité judiciaire. Donc si nous voulons améliorer le continuum de sécurité, je pense que c'est un débat public qui monte, beaucoup de maires le demandent et c'est entendable, nous sommes allés au bout du droit constant que nous pourrions faire. Je pense que chacun en est témoin. Le Conseil constitutionnel était extrêmement clair. Et pourtant, nous avions dit des expérimentations avec un retour d'expérience dans certaines communes avec un encadrement. Franchement, nous avons été pas très... Je crois que le droit a été, pour le coup, et tout le monde en a convenu, et beaucoup de gens ont voté cette disposition bien fait. Ben voilà, il faut changer la Constitution, ou alors il faut que les maires acceptent que leur police soit sous l'autorité des procureurs. Je ne crois pas que les maires acceptent que leur police soit sous l'autorité des procureurs de la République. Voilà. En tout cas, j'en ai vu aucun qui a levé la main pour me le proposer. Donc j'en conclus donc que soit il faut rester dans cette situation, soit il faut modifier la Constitution. Sur la coordination police nationale et gendarmerie nationale, moi je voudrais remarquer que, on a parlé lors du Beauvau de la sécurité, Monsieur le Président, et depuis 3 ans que je suis ministre de l'Intérieur, je me suis beaucoup exprimé sur cette question ici. Je pense que c'était illustratif de ce que nous essayons de faire. C'est-à-dire que les zones police et les zones gendarmerie n'existent que dans la tête des policiers, des gendarmes, des préfets. Puisque s'il existe un article du Code général des collectivités territoriales qui indique qu'au-dessus d'un certain nombre d'habitants, plus de 20 000 ou 25 000, je ne sais plus, c'est plutôt une zone police, plutôt une zone gendarmerie. On sait d'ailleurs qu'il y a des exceptions. Ensuite, par ailleurs, on voit en Outre-mer qu'il y a des communes qui sont à 50 000, 60 000, 100 000 habitants qui ont une zone gendarmerie. Et puis par ailleurs, évidemment, il n'y a pas de délimitation, puisqu'il y a un droit de poursuite, bien sûr, entre frontières, si j'ose dire, d'un même département. Ces zones police et ces zones gendarmerie sont à proscrire pour atteindre les buts de sécurité que veut se fixer le préfet sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que les policiers peuvent aller en zone gendarmerie et les gendarmes peuvent aller en zone police. Ça paraît la tautologie, mais évidemment, ce n'était pas évident. Donc j'ai mis en place ce qu'on appelle les CORAT. C'est-à-dire les préfets qui réunissent, puisque ce sont eux les autorités civiles, ce ne sont ni les policiers ni les gendarmes qui dirigent leurs forces, mais bien le préfet ou la préfète, les policiers et les gendarmes, pour dire, ben voilà, on a besoin de gendarmes ce soir ou cet après-midi ou demain ou telle opération en zone police, et des policiers en zone gendarmerie. Ça arrive très rarement, c'est arrivé quotidiennement pendant ces 4 jours. Comment on a pu tenir notre terrain? C'est que nous avons demandé aux PSIG de vos départements d'aller dans les villes, et notamment dans les villes qui ne pouvaient pas avoir d'unité de force mobile. Ils ont fait un travail formidable. Et on a demandé, évidemment, à des gendarmes de brigade territoriale, soit de remplacer leurs collègues policiers dans des circonscriptions de police où il n'y avait pas de drame de fait de ces émeutes urbaines, pour libérer des policiers nationaux pour venir dans les autres zones police, ou alors de venir carrément dans les zones police pour aider leurs collègues de la police nationale. Et ça s'est fait sans difficulté. Et je voudrais d'ailleurs que nous le faisons quotidiennement grâce aux unités de force mobile, puisque 80% des interventions des gendarmes mobiles sont en zone police. Et donc voilà, je pense qu'il faut qu'on prenne cette très bonne manière de bien fonctionner quand il y a un drame, malheureusement, pour le faire de manière générale. Quand il y a la lutte contre la drogue, quand il y a les violences intrafamiliales, quand il y a des dossiers à traiter, rien n'empêche aux policiers d'aller dans une gendarmerie, aux gendarmes d'aller dans un commissariat. Voilà, c'est vraiment des barrières mentales. Et moi, je préfère de loin qu'on travaille dans cette forme d'action que d'imaginer un nouveau redécoupage des zones police et gendarmerie. Vous m'écrivez parfois pour dire « moi, j'aimerais passer en zone gendarmerie ou en zone police ». On peut toujours en discuter ici ou là pour des raisons d'affectation de personnes, parce qu'ils relèvent du statut militaire pour les gendarmes, et c'est plus facile de les envoyer que les policiers. On y reviendra si vous le souhaitez. Mais je trouve ça plus intelligent, me semble-t-il, de ne pas payer de nouveaux locaux, de ne pas déménager des familles, mais de dire aux policiers et aux gendarmes, vous êtes dans le même département, sous l'autorité du préfet, et il vous utilise comme bon lui semble, évidemment en lien avec vos officiers traitants, bien sûr. Donc ça, c'était intéressant. Parmi les rétextes, on va évidemment travailler sur ce qui s'est passé.
Je pense qu'on en tirera des conclusions très opérationnelles. Et les préfets qui n'ont pas utilisé leur CORAT le premier jour sont ceux qui ont eu le plus de difficultés. Voilà. Donc au début, j'avais dit au préfet, vous l'utilisez si vous le souhaitez. Comme j'ai vu que tout le monde ne l'avait pas fait et que ça s'était mal passé, ils ne l'ont pas fait. Après, je suis passé du mode démocratique au mode directif. Voilà. Et comme tout le monde l'a fait, ça s'est mieux passé. Vous l'avez vu le deuxième jour. Sur la question de monsieur le député Gillet. Alors, dans votre question des choses auxquelles je peux apporter des réponses et d'autres auxquelles je peux pas apporter de réponses. Puis il y a une question plus philosophique. Je vous ai donné ce que je peux vous communiquer. Hein. Je vous ai dit, sur 3800 interpellations, il y a un tiers de mineurs. L'âge moyen est passé de 17 ans à un peu plus de 17 ans, à peu près 18 ans, à la fin des interpellations, parce qu'on a vu que ce n'était pas totalement les mêmes interpellés à la fin. Au début, notamment, au début, c'était plutôt des atteintes aux services publics et aux personnes. À la fin, c'était plutôt du pillage de commerce. Où il y a eu plus d'adultes, enfin 17-18 ans en moyenne sur 3800, c'est quand même pas grand monde. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que 10% des personnes interpellées n'étaient pas de nationalité française, ce qui veut donc dire que 90% d'entre eux sont de nationalité française. Le ministre de l'Intérieur n'a aucun droit et n'a aucun moyen de savoir le nombre de binationaux, monsieur le député. Il faut que vous le sachiez. J'y arrive, monsieur le député. Et je vous l'ai dit. Et je vous l'ai dit, monsieur le député, 60% d'entre eux n'étaient pas connus des services de police. Bon, donc il y avait un tiers de mineurs, 90% de Français et 60% connus d'aucun service de police ou d'un gendarmerie, même pour une infraction qui pourrait être bénigne. Et c'est le contraire de la délinquance d'habitude. La délinquance d'habitude, c'est plutôt des gens qu'on connaît dans les services de police et les services de gendarmerie. Bon. Alors après, moi, monsieur le député, je n'ai pas la volonté de porter des statistiques ethniques. Je n'ai jamais aimé les statistiques ethniques et j'ai toujours considéré qu'un Français était un Français et qu'on ne devait pas compter, puisque vous m'avez demandé de savoir qui était d'origine étrangère, le nombre de grands-parents qui n'étaient pas Français, parce que je crois que ça, on rentrerait dans une République qui n'est pas la mienne et en tout cas, j'espère, pas la nôtre pour une partie d'entre vous. Bon. Ça, c'est mon premier point, monsieur le député. Le deuxième point que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des moments où, à la fois la caricature du propos dans un moment où le pays connaissait ses difficultés, la mauvaise foi, ou alors le manque de travail, mais de votre côté, j'imagine que c'est plutôt la mauvaise foi. En tout cas, je vais vous faire ce procès. Et troisièmement, le fait que la réalité se rappelle à vous, puisque depuis, la presse s'est intéressée à cette question et n'a pas donné tort aux propos que j'ai eus devant la commission des lois du Sénat. Je vous ai dit, et j'ai dit au président à la sénatrice qui m'avait interpellé, qu'il serait faux de dire que 100% des émeutiers et des délinquants était étranger ou, pour entrer dans votre malheureuse rhétorique, d'origine étrangère. Ce n'est pas vrai. Il y en avait une grande partie, mais ce n'est pas 100%. Et j'ai eu accès, monsieur, parce que c'est mon travail de mise en intérieur, à l'intégralité des interpellations qui ont été faites. Je peux vous dire, monsieur le député, que vous avez tort, vous qui n'avez pas accès à ces informations et qui manifestement souhaitez calquer votre idéologie sur la réalité, alors qu'il me semble que la réalité devrait guider les représentants du peuple lorsqu'ils parlent et qu'ils ont l'honneur de parler, que ce n'est pas vrai. Il y a une grande diversité dans les profils que nous avons interpellés. Et ce serait faux, monsieur le député, mais vous pouvez tourner la tête. Je vous dis la réalité. Vous pouvez renier le réel. Il y a cette difficulté. Et vous voyez, je pense que je vais répondre tout de suite à monsieur Miller. Et je connais, je veux lui dire tout mon respect, évidemment. Je pense que vous avez le même cheminement, si vous me permettez, évidemment très différent. Vous systématisez une réponse parce que vous avez envie que ce soit systématique. De même, monsieur Miller, il n'y a pas tous les policiers ou la police nationale qui est raciste. Vous avez cité trois faits absolument affreux. Je rappelle d'ailleurs que pour le cas du policier qui a tiré sur le jeune Naël, tout en ayant eu un mot, je pense, extrêmement clair et à mon avis pas conforme effectivement ni au droit ni à la formation prodiguée à ce policier, il est toujours présumé innocent. Et même s'il y a des indices graves et concordants parce qu'il est mis en examen, et c'est le droit, il n'est pas condamné. Donc je veux aussi respecter sa présomption d'innocence comme dans toute action. Mais monsieur le député, il est faux de dire qu'il y a un racisme systémique de la police nationale, et notamment pour les gens qui viennent des Antilles. D'ailleurs, c'est une insulte à tous les Antillais, et vous savez qu'ils sont extrêmement nombreux. Vous m'écrivez d'ailleurs quasiment toutes les semaines pour demander à ce que des policiers que vous connaissez sans doute rejoignent votre beau territoire. Donc, il y a des policiers, des gendarmes antillais à qui on ne peut pas faire, si on partait de ce principe, le procès de racisme. Ou alors on serait assez loin, me semble-t-il, de la réalité. Donc je crois que des deux côtés, si on pouvait arrêter de systématiser et de tirer un enseignement général sur des actes qui sont insupportables, et c'est pas parce qu'un étranger commet des actes de délinquance que tous les étrangers commettent des actes de délinquance. Il y a aussi beaucoup d'étrangers qui sont intervenus pour protéger des policiers, des gendarmes pendant cette période, qui ont protégé, j'ai eu l'exemple d'un buraliste,
dans une commune de province où ces deux personnes d'origine étrangère, monsieur le député, vous n'écoutez plus parce que là, je pense que évidemment, ça va loin de votre idéologie et de votre réalité. Mais je vous dis, saluons-les, monsieur le député, ces deux personnes étrangères qui ont aidé ce buraliste à sauver sa cargaison. Voilà, vous ne l'avez pas dit, c'est dommage. Donc systématisons pas. Et pour vous répondre complètement, parce que moi, je sens que ce discours, effectivement, on peut faire naître chez nos concitoyens un écho qui, évidemment, est, je crois, nauséabond. J'ai demandé au président de la République, ce que n'a jamais fait le ministère de l'Intérieur, que nous saisissions le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, pour que l'intégralité des documents, puisque ce sont des documents désormais qui sont sous des procédures judiciaires, puissent être donnés à des chercheurs, à des personnes qui vont être observateurs éloignés de nos ministères, qui ne sont pas fonctionnaires, et qui pourront, je crois que monsieur le Président, ce serait une bonne chose que vous les auditionnez, vous dire quels sont les profils de ces émeutiers que nous devons comprendre. Je voudrais vous dire qu'il y a des moments où aussi on doit comprendre la géographie de ces émeutes. Il y a des quartiers que je connais très bien dans mon département et dans ma commune qui n'ont connu aucune difficulté. Aucune difficulté. Alors que ce sont des quartiers, quand j'étais maire, qui étaient voilà, les plus chauds, pour reprendre une expression populaire. Et il y a des quartiers extrêmement calmes, qui ne connaissent pas la politique de la ville, qui ne connaissent pas d'immigration, qui ne connaissent pas de personnes d'origine étrangère en très grand nombre, pour reprendre votre rhétorique, qui ont connu des violences importantes. Voilà. Donc je crois que la facilité n'est pas bonne conseillère. Je vous conseillerais de ne pas compter le nombre de grands-parents qui auraient des origines pour savoir qui est français, parce que ça nous rappelle des histoires qui ne sont pas très positives. Un Français est un Français. Qu'ensuite, il y ait des défauts d'éducation, de parents, d'intégration, de logement, d'urbanisme, de sécurité, oui, bien sûr, c'est une évidence. Mais je constate malheureusement que la délinquance ne se résume pas à un prénom. Pardon de vous avoir dérangé dans vos certitudes. Je voudrais dire à monsieur le député des Alpes-Maritimes, pardon, que oui, non, les polices municipales, leur métier, c'est pas de faire du maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, il ne faut pas qu'elles le fassent. En revanche, les polices municipales peuvent tout à fait aider à un certain nombre d'actions lorsqu'il y a ce genre de choses à la demande du préfet. Et quand les polices municipales ne le font pas, le préfet pourrait réquisitionner. Je ne l'ai pas proposé, y compris avec monsieur le maire de Lyon, dont l'attitude, en effet, nous a beaucoup choqués. Puisqu'il a retiré de la voie publique, c'est le seul maire à l'avoir fait, les policiers municipaux, tout en réclamant d'ailleurs des unités de CRS, ce que nous avons évidemment envoyé à Lyon. D'ailleurs, j'ai bien noté que les CRS étaient bienvenus à Lyon. Ce que je veux vous dire, monsieur le député, c'est qu'en revanche, les policiers municipaux, ils doivent pouvoir aider l'action. Donc, pouvoir regarder les caméras de vidéoprotection, tenir les postes, bien évidemment, procéder, ils peuvent le faire à des interpellations, vous le savez, pas dans un cadre de manifestation d'ordre public, mais de lutte contre la délinquance. Et autant nous n'avons pas utilisé les polices municipales le premier jour, parce que je vous l'ai dit que nous pensions que c'était des manifestations spontanées à encadrer type ordre public, pour muter, nous l'avons tous constaté, à une possibilité d'émeute et d'actes de délinquance, et qu'il s'agissait donc de violences urbaines. Et à ce titre, les polices municipales peuvent y participer, non pas en ordre public, mais en intervention, toujours évidemment sous la coordination et l'autorité du préfet, selon les armes qu'ils ont, selon la formation qu'ils ont, selon les qualifications qu'ils ont. Et il y a eu ici ou là des maires qui, par exemple, ont dit au préfet, moi, ma police, elle n'est pas armée, ma police, elle n'est pas formée à ça. Oui, d'accord, pour tenir le poste de police municipale, pour remplacer telle ou telle garde, pour tenir le poste pour la mairie, ça nous a beaucoup aidé, parce qu'on libère des policiers qui, pour le coup, ont fait autre chose. Et puis il y a d'autres qui ont dit, ma police, elle est armée, ma police, elle est formée, et elle pourrait contrer. Elle a parfois même des équipements, vous savez bien, de lutte contre les violences urbaines, et elle peut accéder. Alors après, dans l'urgence de ces situations, puisque 380 communes, je crois, ont été touchées, il y a peut-être eu ici ou là des difficultés qui ne correspondent pas exactement au droit. Il faudra les revoir, et il faut qu'on ait un process beaucoup plus fort. Parmi les difficultés que j'ai pu constater, c'est que très vite, c'est-à-dire la première nuit, les polices municipales ont tiré beaucoup de LBD et ont tiré beaucoup de munitions. Parfois des tirs, mais c'était très exceptionnel, des munitions de catégorie intermédiaire. Et ils ont eu un problème, vous le savez bien, de réassort. Et pourquoi ils ont un problème de réassort? Parce qu'il y a un décret en Conseil d'État, je ne le savais pas, maxima mea culpa, qui prévoit par exemple pas plus de 100 munitions par police municipale. Bon, ça me paraît, ouais, les maires m'ont dit, mais ça c'est absurde. C'est dommage, on devrait avoir un stock plus important quand il se passe ce genre de choses. Au bout d'une nuit d'émeute, on est obligé désormais d'en réclamer davantage. Donc on va changer ce décret en Conseil d'État. D'ailleurs, c'est absurde que ce soit un décret en Conseil d'État. Objectivement, un décret simple aurait largement suffi pour améliorer le travail des polices municipales. Et je veux dire que oui, on les distingue. J'ai déjà fait deux séries de remises de médailles de sécurité intérieure et de distinctions aux policiers nationaux
les gendarmes, les sapeurs-pompiers et aux policiers municipaux. Je l'ai fait en région parisienne, je l'ai fait dans leur, dans mon département, je le ferai ailleurs. À chaque fois, je demande que des policiers municipaux soient distingués et soient présentés au même titre que les policiers nationaux ou les gendarmes. Et si vous avez des noms, évidemment, je suis preneur et le ministère de l'Intérieur saura distinguer ces policiers municipaux courageux. Sur la question des caméras de vidéoprotection, elles ont été, je le dis au député Mandon, extrêmement efficaces. Extrêmement efficaces. Elles ont été efficaces pour le travail qu'a fait la police nationale, la gendarmerie nationale, pour lutter contre l'insécurité et les émeutes. Elles ont été efficaces pour lever le doute sur les pièges tendus, parce qu'il y a eu, vous le savez bien, des pièges tendus, notamment aux sapeurs-pompiers. Et pour, quand on appelle pour dire « il y a le feu au 8e étage dans tel immeuble » et qu'on sait qu'il n'y a pas le feu au 8e étage dans tel immeuble, on se doute que si le pompier y va, c'est peut-être pour se faire caillasser. Ça évite des interpellations, ça évite des blessés, ça évite des problèmes. Et elles ont été efficaces pour ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire la résolution judiciaire des difficultés. Donc elles ont été triplement efficaces, ces caméras. Et alors tous ceux qui disent que les caméras n'ont pas été efficaces, et là encore, moi j'ai demandé un retex pour savoir une sorte de différence entre là où il y avait beaucoup de caméras, là où il n'y en avait pas beaucoup, pour pouvoir voir si effectivement, on a toujours ce débat ici, je le sais, à l'Assemblée nationale. Je pense que le président de la Commission des lois pourrait être destinataire de ces travaux et peut-être auditionner les gens à qui j'ai demandé un rapport sur cette question, que la première chose qu'ont fait les émeutiers, c'est de casser ces caméras de vidéoprotection. Donc si elles n'étaient pas efficaces, ces caméras de vidéoprotection, pourquoi les émeutiers les casseraient-ils en premier ? Voilà. Donc je pense qu'il faut désormais se rendre à des choses très concrètes. J'ai remarqué qu'il y a même des parlementaires de la France insoumise qui réclamaient des caméras de vidéoprotection. Je les en remercie. Et c'est vrai que c'est dommage que les paroles publiques ne soient pas toujours les paroles privées ou les courriers que je reçois pour demander des subventions dans telle ou telle circonscription. Je voudrais dire, M. Vico, que je ne partage pas tout à fait. Je ne suis pas professeur émérite à la Sorbonne et je voudrais pas, et je n'étais pas à votre audition, M. le député, mais je suis allé à Londres voilà quelques jours. Et justement, nous avons parlé du couronnement du roi. Et j'entends ce que vous dites sur les républicains, mais ils n'ont pas la même vision de l'écologie radicale, par exemple. Parce que vous savez que, je vous apprends peut-être quelque chose, monsieur le député, c'est qu'il y a une loi spécifique sur l'écologie radicale en Grande-Bretagne qui permet de faire des interpellations en administratif avant les manifestations. Donc si votre modèle, c'est de me proposer un texte contre l'écologie radicale à la veille des grands événements... Ah bon, d'accord, donc il faut tout prendre de l'Angleterre, alors, d'accord, très bien. Je constate que vous reculez, monsieur le député. Alors après, c'est sûr, et tout est tout à fait vrai, que la Grande-Bretagne a une autre façon de gérer sa police. On en a déjà parlé, pour plein de raisons. Il y a des avantages et des inconvénients. Je rappelle que le modèle anglais est un modèle américain sur une police fédérale, qui est une autre façon de faire, vous le savez bien, et qui n'est pas, je crois, non plus votre modèle a priori. Donc qu'on en discute, tout à fait, voilà. Mais je ne pense pas que l'Angleterre soit non plus la panacée absolue sur cette question, même s'il y a toujours à apprendre et l'intelligence partout. Sur la mission d'évaluation, ce n'est pas moi de me prononcer sur ce que peut faire ou pas le Parlement. Je suis trop respectueux du travail des parlementaires. Moi, je suis toujours pour qu'on évalue. Je n'ai aucun problème pour évaluer le 2017. Et si vous faites des choses sur le 2017, je viendrai bien volontiers et tous les services sont à votre disposition. Je veux constater simplement que le discours est un peu étonnant sur la loi de 2017. Et je ne reprends pas les propos excellents du Premier ministre Cazeneuve. Le policier n'est manifestement, je dis manifestement, parce qu'il a la présomption d'innocence, pas respecté la loi de 2017. Ni sa formation, ni sa déontologie. Bon. Et je mets encore une fois des guillemets, parce que ce n'est pas moi de le dire à la fin. C'est l'inspection générale, mais j'ai le droit en tant qu'employeur constater quand je demande aux gens dont c'est le travail, est-ce qu'il l'a fait ? C'est ce que j'ai fait quand j'ai vu cette vidéo qui m'a choqué personnellement, mais dont je voudrais savoir si effectivement c'était conforme au droit ou pas. Ça peut être choquant et conforme au droit. Et c'est pour ça que vous êtes parlementaire, c'est pour changer le droit, j'imagine. Tout le monde m'a dit, oui, c'est choquant et ce n'est pas conforme au droit a priori. Bien. Une fois qu'on a dit ça, quand quelqu'un ne respecte pas la loi, quel est l'intérêt de changer la loi ? Est-ce que vous pensez qu'il changera de comportement ? Si quelqu'un fait du 180 km à l'heure sur l'autoroute, et que c'est marqué 130. Pensez que descendre à 120 l'empêchera de rouler à 180. Donc il fallait évaluer la loi de 2017, parce que peut-être que pour plein de raisons, elle n'est pas extrêmement claire, elle ne permet pas aux policiers, aux gendarmes d'intervenir dans des bonnes conditions, elle permet, je reviendrai sur l'IGGN, l'uniformisation des... Oui, pourquoi pas. Et maintenant, ça fait 5-6 ans, je pense que c'est tellement important le tir administratif que, bien sûr, vous savez que le policier, dès qu'il tire, il est... très souvent mis en garde à vue. Voilà, c'était toujours un choc de tirer, et encore plus, évidemment, de tuer un homme, sans aucun doute. Mais je pense que dans le cas précis, monsieur le député, il faut bien comprendre que ce policier n'aurait pas respecté le droit. Et donc changer le droit dans cette position-là n'aurait
à mon avis, pas changé forcément grand-chose. Mais pour l'évaluation, je suis évidemment à disposition du Parlement. Et c'est ce que je souhaitais vous dire. Ce qui permet peut-être de répondre à Mme Regol directement, puisqu'elle m'a interpellé sur la question de la différence entre la gendarmerie et la police nationale. J'ai vu l'intervention de l'inspecteur général de la gendarmerie nationale. D'ailleurs, il part en retraite dans quelques jours et il est remplacé par un magistrat. D'ailleurs, je voudrais dire ici que j'aurais tenu ma promesse des Beauvau de la sécurité, puisque vous avez une magistrate désormais à la tête de l'IGPN et un magistrat à la tête de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, ce qui n'a jamais existé dans les deux maisons de la police et de la gendarmerie. Donc je réponds en même temps, évidemment, et vous avez entendu la magistrate qui était patronne de l'inspection générale de la police nationale. Moi, ce que je veux constater, c'est deux choses, madame la députée. La première, c'est que la police et la gendarmerie ne sont pas tout à fait dans les mêmes zones de délinquance. Et il y a des refus d'obtempérer aux zones de gendarmerie, bien évidemment. Mais on ne peut pas dire sérieusement que les policiers et les gendarmes connaissent les mêmes types de délinquance. Deuxièmement, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même formation. Et j'ai entendu ce qu'a dit l'inspecteur général. Je trouve que ce week-end, le week-end qui a suivi votre audition, il y a eu deux refus d'obtempérer en zone gendarmerie qui sont remontés à la connaissance des ministres de l'Intérieur. Et il y a eu des tirs administratifs de la gendarmerie nationale. Il y en a eu à Plaine-Fougère, en Ille-et-Vilaine, où les gendarmes ont utilisé leur arme administrative sur un véhicule qui a démarré à la vue de la patrouille. Le binôme du militaire visé a fait usage de son arme 5 fois en direction des pneus du véhicule, qui est parvenu à s'échapper, pas de blessés chez les gendarmes, résultat des tirs inconnus. Donc, il y a une enquête judiciaire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis à Bandrel, donc vous savez que c'est en Outre-mer, usage des armes par un militaire de la gendarmerie nationale ce jour à 9h30 par 2 patrouilleurs des gendarmes mobiles de Chambéry qui étaient en poste de contrôle routier et qui ont été victimes d'un refus d'obtempérer. Le gendarme mobile a tiré avec son arme de service sur la portière. Conséquence du tir inconnu, le militaire est blessé. Donc, moi, j'ai entendu votre audition. Je ne me permettrai pas de corriger les propos de l'inspecteur général. Je constate que ce week-end, il n'y a pas eu de tir de la police nationale, mais il y a eu des tirs de la gendarmerie nationale et il y a eu des tirs sur les véhicules. Et que ceci, à quelques centimètres près, à quelques secondes près, aurait pu causer les mêmes faits. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il serait juste de dire que c'est, un, pas la même délinquance, et que, deux, bon, voilà, parfois, il arrive que la réalité corrige un peu ce qui a pu vous être dit, mais évidemment, les propos sont totalement libres. Sur la question des caméras embarquées, pardon, monsieur le député. Oui. J'y répondrai, mais j'avoue que la deuxième question, c'était sur. Ah oui, sur les parcours, pardon. Oui. Très bien, très bien. Bien, monsieur le président. Ouais. Je vais répondre à votre question rapidement. Sur la question des caméras embarquées, alors, la généralisation, oui, il faut qu'on les mette. C'est-à-dire que la loi désormais autorise de mettre des caméras embarquées dans les véhicules, non pas pour surveiller les policiers et les gendarmes, mais pour qu'ils regardent dehors. Et ce qui remplacerait. Évidemment aussi les lieux où il n'y a pas de caméra de vidéoprotection, dans les zones rurales ou dans les endroits où il n'y a pas de caméra de vidéoprotection. Chez les pompiers aussi, ce qui nous aiderait aussi fortement pour lutter contre les attaques. Donc oui, je suis très favorable et on a prévu la généralisation des caméras embarquées, comme il existe dans certaines polices anglo-saxonnes, où d'ailleurs les vidéos sont à disposition de la justice, mais parfois sont mises en ligne sur les sites des polices. Si vous êtes sur le site de la police de Los Angeles, me semble-t-il, vous pouvez voir les images filmées lorsqu'il y a des événements contestables par la population. Donc j'y suis très, très favorable. Sur le maintien de l'ordre et la tenue, vous avez raison. Il faudrait que nous multiplions cela. On le fait depuis les gilets jaunes, parce que ce n'était pas le cas. Ce qui a bien marché, si j'ose dire, pendant ces périodes, c'est les tenues ignifugées. Chacun se rappelle du drame de Viry-Châtillon, où les policiers ont été extrêmement brûlés dans leur chair. Quasiment tout le monde, c'est pas le cas intégralement, mais quasiment tout le monde a tenu ignifugé quand il y a des émeutes urbaines ou des manifestations, ce qui a évité à ce pauvre policier, qui d'ailleurs, monsieur le député, je crois, est entier, de ne pas mourir de son cocktail Molotov qu'on a tous vu à la télévision pendant les manifestations, grâce à sa tenue fichée. Et pourtant, il est brûlé, mais il n'est pas brûlé au point d'avoir été très handicapé par cela. Ce qui a permis aussi, parce que les cocktails Molotov étaient très présents, de protéger les policiers et les gendarmes de leurs blessures. Donc on a fait les tenues figées. On est en train de faire les tenues de maintien de l'ordre, mais ça coûte 20 000 euros par unité. Et donc on le fait avec les moyens que le Parlement nous consent. À votre bon cœur, messieurs, dames, puisque vous rentrez en discussion budgétaire très bientôt. Sur la question de Mme Regol, j'y reviens, excusez-moi. Moi, Mme Regol, ce qui est à ma connaissance, c'est que ces deux policiers de 38 et 40 ans, ils étaient expérimentés,
Il n'avait aucun dossier négatif à disposition du préfet de police ou de moi-même, aucun avertissement à ma connaissance, aucune difficulté particulière de hiérarchie. Il était ancien militaire, il était décoré par sa hiérarchie sous d'autres ministres que moi, et donc moi je n'ai rien à reprocher à ce policier. Voilà, mais je n'ai rien à reprocher à ce policier, je n'ai rien à reprocher à la vie de ces policiers jusqu'au moment où il a commis ces actes qui, aujourd'hui, lui permettent de répondre devant la justice. Et encore une fois, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Pour M. Morel-Alussier, j'en terminerai par là, Monsieur le député. Monsieur le Président, la doctrine d'intervention, il faudra faire un rétexte de ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que l'utilisation du RAID, la BRI, du GIGN, voire des PSIG, non seulement a permis de rétablir le calme, dans des conditions où chacun a vu que les gens étaient à la fois très violents et très jeunes, ce qui était évidemment un drame à chaque intervention. Il y a, à ma connaissance, moins de 15 enquêtes IGPN et IGGN sur les émeutes qui se sont passées. Il faut toutes les prendre au sérieux. La justice va travailler. Mais sur 3800 interpellations et 4000 émeutes, statistiquement, on constatera que les policiers et gendarmes ont fait preuve, dans l'immense majorité des cas, et devant l'immense violence de ce qui s'est passé, d'un très grand sang-froid, d'un très grand professionnalisme, incontestablement. Et je pense qu'on peut tirer quelques conclusions sur l'utilisation du RAID, du GIGN, de la BRI ou des PSIG en administratif, c'est-à-dire à la main du ministre de l'Intérieur et des préfets, alors que c'est plutôt, vous le savez bien, des unités d'élite qui sont là soit pour le terrorisme, soit pour la très grande délinquance organisée, soit des unités judiciaires type BRI qui agissent en PJ pour pouvoir faire des filatures, interpeller des gens qui font des go-fast, enfin, des choses extrêmement graves, et dont on voit que leur présence, à la fois par leur matériel, par leur formation et par le respect qu'ils inspirent lorsqu'ils arrivent sur un territoire comme cela, nous permettrait peut-être de mettre fin définitivement à certains axes de délinquance qui existent dans certains de nos quartiers et qui ne sont réglés par la police du quotidien, si j'ose dire, avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur des gens très organisés que nous avons en face de nous. Et vous m'avez parlé de police proximité tout à l'heure. Le défaut de la police nationale, gendarmerie nationale, encore plus de la police parce que ce n'est pas la même délinquance, c'est pas, je sais qu'il y a un débat depuis très longtemps sur la police de proximité, mais c'est pas l'idée qu'on ne donne pas de consigne pour dire vous faites pas de proximité. Enfin, tous les élus, quels qu'ils soient, et notamment l'ancien maire que je suis, est content quand les policiers sont à pied, vont voir les commerçants et discutent avec les gens du quartier. Le problème, c'est que c'est une police qui est très une police d'intervention. Elle est devenue une police d'intervention. Les attentats, les difficultés autour des manifestations sporadiques, et notamment, vous le savez bien, des gilets jaunes. La lutte contre la drogue, qui touche tous les quartiers et, vous savez bien, désormais, des villages, y compris extrêmement petits. Et le nombre d'appels 17 qui a explosé. Les violences intrafamiliales, j'ai eu l'occasion de vous dire que c'était 450 000 interventions par an, ce qui n'existait pas il y a encore 10 ou 15 ans, au moment où on pourrait parler de ce discours sur la police de proximité. Et donc je crois que ce qui se passe pour les policiers, c'est qu'ils sont beaucoup en intervention. Donc c'est une police de plus en plus d'intervention pour lutter contre tous ces actes de délinquance. Et parce qu'ils sont désormais les derniers à pouvoir gérer ces difficultés. Et peut-être que le temps qu'ils passent à intervenir, ils ne passent pas à être proches de la population. Et en étant proches de la population, il ne s'agit pas de... Moi, je pense que ce serait une erreur de distinguer deux polices, parce que c'est la même qui fait les deux, vous le savez bien. Mais me semble-t-il que l'augmentation des effectifs que nous mettons en place répond à ça. Et il faut assez de monde dans un commissariat pour à la fois intervenir et faire de la proximité. Et c'est très bien que les policiers fassent les deux. Tantôt de la proximité, au sens « je suis en contact avec les populations » sans excuse d'intervention, et tantôt de l'intervention. Parce que sinon, évidemment, il y a une sorte de schizophrénie qui s'installe. Donc je pense que c'est avant tout un problème d'effectif. Peut-être de temps horaire, peut-être d'utilisation, peut-être de mutualisation des policiers et des gendarmes, mais d'effectif. Ce n'est pas une question de doctrine. Il n'y a pas un type au ministère de l'Intérieur qui dit « il ne faut pas faire de proximité ». Je le demande tous les jours aux policiers. Simplement, ils vous disent, quand vous êtes dans un commissariat, vous le savez bien, on a aujourd'hui 50 appels 17, on a reçu, il y a deux points de deal à démanteler, il y a trois dames qui se sont fait taper dessus par leur mari, et puis il y a deux forcenés, et on n'a fait que l'intervention tous les jours. Donc c'est une question plus d'effectif, me semble-t-il, et j'espère qu'on essaye de le réparer, que de doctrine, même si on pourrait évidemment en parler pendant très longtemps. Merci. Alors, Monsieur Gilles Legendon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'étais très sensible à la distinction que vous opériez au début de votre propos entre les émeutes que nous avons connues et les opérations traditionnelles, avec beaucoup de guillemets autour de traditionnelles, de maintien de l'ordre. Il y a néanmoins un certain nombre de phénomènes qui peuvent affecter les deux familles, j'allais dire. C'est l'émergence, évidemment, des messageries cryptées, des applications telles que Snapchat,
qui permet aux manifestants, dans certains cas, aux émeutiers toujours, de se rendre discrets, d'agir avec beaucoup d'agilité, de pouvoir bouger de façon très rapide et se livrer évidemment à leurs méfaits, comme on a pu le constater. Ces techniques compensent souvent l'absence d'organisation et de structure, comme on peut en avoir dans les manifestations, alors là, pour le coup, vraiment traditionnelles, qui sont déclarées et qui sont déclarées par des organisations connues. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez maintenant, à la faveur, si je puis dire, des événements qui se sont produits, un retour d'expérience sur le rôle réel que jouent ces pratiques dans les manifestations ? Est-ce que nos services de renseignement peuvent avoir, et nos forces de l'ordre, peuvent en tirer un intérêt pour éventuellement se réorganiser, trouver d'autres réponses, évoluer? Et puis, le cas échéant, est-ce que la loi LOPMI que nous avons adoptée il y a peu permettra aussi d'améliorer la réponse à ce type d'enjeux et de défis? Je vous remercie. Madame Béatrice Rouleau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous interroger sur l'équipement destiné aux forces de l'ordre. La ville de Meaux a été impactée, comme bien d'autres communes de France et comme l'ensemble du département, par des émeutes dans la nuit du 29 au 30 juillet. Un groupe d'individus d'une centaine de personnes, 97 très exactement, armés de barres de fer et projectiles en tout genre, a d'abord voulu s'en prendre au commissariat de Meaux. Repoussé par les forces de police, il est allé plus loin dans un autre quartier où il a incendié un bus, une partie du centre commercial de la Verrière, la Poste, l'unité de police municipale, sans compter les commerces pillés, vandalisés. Le choc chez les commerçants et la population était grand. Je me suis rendue dans chacun de ces commerces et je suis allée féliciter les jours suivants les forces de l'ordre pour leur travail et leur courage, ayant permis d'éviter le pire. Au cours de ma visite à la gendarmerie de Meaux, j'ai eu l'occasion de voir les équipements qu'utilisent les gendarmes. Certains gilets pare-balles arrêtent des balles de 9 mm, d'autres non. Certains casques, les MSAG3, résistent à des balles et des barres de fer, d'autres moins. En réalité, on m'explique dans cette gendarmerie que les casques efficaces pour ce genre d'émeute, quasi insurrectionnelle, sont en nombre insuffisant. On dispose de 2 par unité, si j'ai bien retenu, ou 2 pour 3, et l'on me fait remarquer surtout qu'ils ne sont pas individuellement attribués à chacun, de sorte qu'il faut les régler, ce qui fait perdre des secondes ou des minutes précieuses en cas d'intervention urgente. Vite, je vais perdre des secondes. De même, il n'y a pas assez de tenues inufigées, ininflammables, alors que le risque de recevoir des cocktails Molotov est constant. Ma question est donc la suivante. De nos jours où les émeutiers ne reculent devant rien et sont prêts à tirer à balles réelles sur des policiers, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, si les gendarmes mobiles, voire les unités de police, disposeront de... Madame Martine-Étienne. Monsieur le Ministre, je dois vous dire, j'ai le cœur lourd. J'ai le cœur lourd parce que le 30 juin dernier, à Mont-Saint-Martin, un jeune homme de 26 ans a été touché à la tête par un tir de beanbag. Il s'appelle Emen Baou, il est agent de sécurité. Il rentrait du travail en voiture, monsieur le ministre, et il allait simplement chercher à manger avec des amis à quelques kilomètres de chez lui. Mais en une fraction de seconde, sans comprendre ni voir pourquoi et comment, il a reçu un tir de beanbag dans la tête, un projectile envoyé par le RAID, sans sommation et par surprise. Aujourd'hui, il est toujours entre la vie et la mort. Alors oui, j'ai le cœur lourd comme sa famille, ses voisins et les habitants de la commune qui nagent dans l'incompréhension, la colère et le désarroi. Sa famille a porté plainte et un policier a tenté de leur expliquer l'inexplicable. Il leur a dit qu'Emen se trouvait alors au mauvais endroit, au mauvais moment. Monsieur le ministre, vous vous rendez compte de la violence de ces propos? Vous dites vouloir maintenir l'ordre en semant aux gens de rentrer chez eux? Et vous appelez leur aide pour régler les choses dans les petites communes? C'est quoi la suite? Pas de chance pour les habitants qui rencontrent leur aide en bas de chez eux? Le maintien de l'ordre n'est pas une affaire de chance, c'est une affaire de respect des droits humains et de justice. Votre réponse ultra-sécuritaire aux révoltes qui traversent le pays depuis maintenant quelques semaines est largement inadaptée et le tir contre Emen en est une preuve de plus. Monsieur le ministre, combien faudra-t-il encore de victimes pour que vous refondiez enfin la police de la cave au grenier
Quand agirez-vous, comme le recommande l'ONU, contre les violences racistes au sein de la police? Et enfin, que faisait le RAID dans cette commune? Merci. Monsieur Yann Mouka. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Notre pays, cela a été rappelé, a connu des émeutes particulièrement graves où les symboles de la République ont été attaqués, où la République a été attaquée. Sans le dévouement et le courage de nos forces de l'ordre, le bilan humain et matériel aurait pu être beaucoup plus lourd. Nos forces de l'ordre, et je voudrais le rappeler, ont le soutien d'une immense majorité des Français et les atermoiements de l'extrême gauche n'y changeront strictement rien. Je voudrais le réaffirmer au nom du groupe Les Républicains, notre plein et entier soutien y associe évidemment nos pompiers, mais également les élus locaux qui ont été en première ligne. Je voudrais également saluer les services de l'État et j'ai pu constater dans mon département du territoire de Belfort la parfaite coordination entre Monsieur le Préfet, les forces de l'ordre et la mairie de Belfort pour lutter contre ces émeutes qui commençaient à se propager dans notre ville. Mais ces émeutes ont également montré qu'il y avait un manque de matériel, cela a été dit, pour nos forces de l'ordre et dans ce sens, je me réjouis que nous ayons pu adapter très largement la LOPMI à l'automne dernier. Ces émeutes ont également montré l'armement massif existant dans certains quartiers. Ma question est donc simple, Monsieur le ministre de l'Intérieur, que comptez-vous faire pour lutter contre ce phénomène et comptez-vous interdire prochainement la vente de mortiers qui ont été utilisés comme armes par destination dans de nombreuses émeutes? Madame Blandine Brocard, pardon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La question de la gestion du refus d'obtempérer est centrale dans nombre d'affaires. Alors, tragiquement, parfois, comme dans le cas qui a été à l'origine des récentes émeutes. Mais n'oublions pas non plus de saluer également et bien plus souvent l'action des forces de l'ordre qui permet justement d'éviter de nombreux drames qui auraient été commis par des conducteurs sans permis ou sous emprise d'alcool ou de stupéfiants. Alors lors de votre récente audition au Sénat, vous avez donné les chiffres suivants, Monsieur le Ministre. En 2022, les forces de l'ordre ont consigné 25 800 refus d'obtempérer et plus d'un sur cinq, soit 5 329, se déroulent dans des circonstances qui exposent directement autrui à un risque de mort. Il semble, dans les échanges que j'ai régulièrement avec eux, que les policiers et gendarmes sont souvent très peu enclins, voire très réticents, à engager une poursuite, à jalonner, comme ils disent, craignant pour la sécurité du délinquant routier, comme pour celle des forces de l'ordre et des autres usagers de la route. Comme vous le disiez, en effet, 20% des cas de refus d'obtempérer exposent des individus à des risques de blessures ou de mort. Dans un rapport parlementaire publié en 2021 sur les rodéos motorisés, des policiers et gendarmes auditionnés soulignent que les modalités d'intervention leur semblent souvent peu claires, leur faisant craindre un engagement de leurs responsabilités en cas de poursuite d'un véhicule. Pourriez-vous nous indiquer quelle doctrine les forces de l'ordre sont censées suivre dans cette situation? De quels moyens disposent-elles, autres que l'usage de leurs armes, pour stopper un véhicule? Et quid des auteurs? À l'occasion du déferlement de la LOPMI devant le Conseil constitutionnel, le dispositif visant à augmenter le quantum des peines dans les cas de refus d'obtempérer avait été censuré. L'enrayement du phénomène ne devrait-il pas, selon vous, reposer sur un renforcement des sanctions et, à l'instar des cas de rodéo urbain, la confiscation systématique du véhicule? Ne devrions-nous pas, en outre, agir en amont en renforçant, par exemple, les sanctions envers les personnes qui permettent la conduite sans permis par le prêt ou la location de leur véhicule? Je vous remercie. Madame Cécile Untermeyer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors, sur la mort de Naël, ce sont les vidéos qui laissent penser que le policier n'a pas respecté la loi de 2017. Si on n'avait pas eu les vidéos, on n'aurait pas pu dire s'il avait respecté ou non la loi de 2017. En tout cas, ça aurait été plus difficile. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces vidéos, elles ont une puissance de révélation qui est importante. D'autant plus importante au regard de conclusions que l'on pourrait supposer avoir été celles de l'IGPN. Je ne suis pas dans un propos discriminant par rapport à cette institution. Simplement, je pense que c'est le moment de nous interroger, d'avoir une réflexion sur la question de l'indépendance de l'IGPN. Ça fait un moment qu'on en parle, mais est-ce que ce n'est pas à l'occasion de cette tragédie qu'il nous faut reconsidérer les organes de contrôle de la police, parce qu'elle est placée, on le sait, sous le contrôle de la direction générale de la police nationale, donc elle est en situation de devoir contrôler les autorités qui l'encadrent. Alors c'est vrai que des efforts ont été faits, que c'est un magistrat qui est à la tête, je crois, de l'IGPN, et que j'ai pas de doute particulier, mais vous savez comment ça se passe. L'impartialité subjective ou objective, elle est là, à raison de la façon dont s'inscrit l'organe de contrôle dans l'institution.
Et sans vouloir aller jusque chez les Britanniques, est-ce qu'on ne pourrait pas engager une réflexion sur ce sujet? Et ma deuxième question, c'est sur la loi de 2017, que moi, je n'avais pas votée, et qui, comme vous l'avez très bien dit, n'a pas été mal appliquée. Simplement, on nous parle d'une circulaire de mars qui poserait des problèmes parce qu'elle irait au-delà des termes de la loi. Monsieur Paul Molac. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Ministre, des échauffourées à Lorient ont eu lieu. Elles ont été relatées par les deux journaux que sont le Ouest France et le Télégramme, où en fait une trentaine de personnes cagoulées, visage masqué, se revendiquant patriotes, et certains se disant commando marine, sont venus prêter main forte aux policiers contre les émeutiers. Sauf que, évidemment, ils se sont aussi attaqués à des gens qui ne faisaient que passer. Et ils ne se sont pas contentés simplement de les immobiliser, mais parfois tabassés. Et donc, c'est un mouvement qui, effectivement, m'inquiète, parce qu'on a eu dans l'histoire relativement récente des partis politiques qui avaient leur propre milice qui maintenait l'ordre, etc., qui se faisaient un peu la guerre entre eux. Donc, moi, ma question est simple. Je souhaiterais tout simplement que vous nous assuriez d'abord que ces choses-là ne vont pas se multiplier, parce qu'effectivement, ça pourrait poser problème, étant donné que ce sont des gens qui, visiblement, ont accès à des armes également, donc c'est même s'ils ne les utilisaient pas là. Et la deuxième chose, bon, moi, je pense que le maintien de l'ordre doit être assuré par des fonctionnaires assermentés et qui ont reçu une formation pour ça. Donc, voilà donc mon inquiétude. Madame Émilie Chandler. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier de prendre le temps de répondre à nos questions, Monsieur le Ministre. Ces dernières semaines, les forces de l'ordre et de secours ont été particulièrement mobilisées pour répondre aux épisodes de violence que notre pays a connus. Je tiens à saluer leur travail, leur disponibilité, leur réactivité. Ma circonscription a connu plusieurs incidents avec des élus locaux qui ont été agressés, des bâtiments comme la mairie de Persan et le CCS et le poste de police municipale qui ont été incendiés et détruits. Si les dégâts sont importants, je tiens à saluer l'action de votre ministère qui a libéré des moyens conséquents supplémentaires pour maintenir l'ordre. J'ai bien entendu nos collègues de l'Assemblée nationale qui ont été plus promptes à demander le désarmement de la police qu'à condamner les violences des émeutiers. Lorsque l'on est élu de la République, il ne s'agit pas de remettre en cause le travail de nos forces de l'ordre. Notre mandat est d'aider nos concitoyens en votant des lois dans l'intérêt de tous et non considérer que l'on peut s'affranchir quand on le souhaite de la loi. J'ai aussi entendu d'autres demander l'instauration de l'état d'urgence. Je comprends bien que nos collègues soient enclins à reproduire ce qu'ils ont déjà connu. Mais le reflux de violence prouve qu'il n'est nul besoin de recourir à un régime d'exception pour répondre à certaines situations. Notre Assemblée, et plus particulièrement notre majorité, a toujours travaillé à donner les outils adaptés aux forces de l'ordre pour réaliser leur mission. Ainsi que nous avons pu le constater, les violences ont diminué ces derniers jours. On aurait pu craindre en effet un retour de violence, notamment avec l'intervention de certains groupes qui ont appelé à se mobiliser. Ma question sera simple, Monsieur le Ministre. Est-ce que certains mouvements ont tenté de guider les violences et comment votre ministère a-t-il répondu aux appels à la convergence des luttes de ces mouvements? Je vous remercie. Madame Gisèle Lelouis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur le trafic de stupéfiants qui touche particulièrement ma ville de Marseille, notamment dans ma circonscription, mais aussi de plus en plus tout notre pays. Aujourd'hui, en France, le trafic de stupéfiants est le moteur essentiel de l'activité criminelle. Il crée des enclaves de non-droit formalisées par des mini-frontières, des barrages, des guerres, des règlements de compte et toujours plus d'insécurité, de dégradation pour les gens qui le subissent. L'économie parallèle qui s'y développe à coups de blanchiment et de trafic en tout genre crée de facto une loi parallèle qui s'oppose à celle de la République française. Et quand je dis s'y développe, je veux dire que le trafic de stupéfiants gangrène notre pays. Vous avez beau donner du doliprane pour freiner cette gangrène, rien n'y fait. Il y a 3 ans, en 2020, alors que vous deveniez ministre de l'Intérieur, vous aviez affirmé que les trafiquants de drogue allaient arrêter de dormir. En effet, je vous le confirme, vous aviez raison, ils dorment peu. En réalité, ils travaillent trop. Vous dites pilonner les supermarchés de la drogue. Si ce pilonnage était efficace, le prix des stupéfiants devrait monter. Ils sont plus rares, ils sont plus chers. C'est la loi de l'offre et de la demande. Or, c'est le contraire qui se produit. Mais
revenons sur les émeutes. J'étais sur le terrain lors de la deuxième nuit d'émeute et je peux vous dire que j'ai été prévenue par les habitants de la cité voisine que des livraisons de mortiers étaient en distribution aux jeunes de la cité de ma circonscription et que le mot d'ordre était d'attaquer le commissariat, ce qui m'a permis de donner l'alerte aux autorités et c'est uniquement grâce à l'arrivée des renforts de la BRI que le commissariat n'a pas été attaqué. J'aimerais comprendre pourquoi le commissariat était si peu protégé de policiers de garde, alors que certains policiers pouvaient pourtant volontaires étaient en congé, manifester leur surprise de ne pas avoir été appelés en protection du commissariat. Merci. Et enfin, Monsieur Thomas Porte. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ma question portera sur l'unité CRS 8, déployée de manière très violente lors des révoltes urbaines, mais aussi lors de la marche blanche organisée pour la mémoire de Nahel à Nanterre. Cette brigade a été créée en 2021 pour intervenir selon des méthodes plus répressives et avec un équipement plus léger, lui permettant d'aller davantage au contact. Deux rapports confidentiels révélés par la presse font état de dysfonctionnements récurrents au sein de cette brigade, pointant notamment l'affectation de jeunes policiers incapables de faire du maintien de l'ordre, car encore inexpérimentés. Dans l'un de ces rapports, le commandant, ancien membre de la Marine nationale, vous a demandé de solliciter cette brigade uniquement lors des situations dégradées ou de haute intensité, sans quoi ces hommes éprouveraient, je cite, « une frustration ». En clair, ils demandent d'aller au contact. Vous avez, et cela interroge, favorablement répondu à cette demande. On comprend bien que la CRS 8, qui en quelque sorte est votre brave M, pour reprendre les propos d'un préfet cité dans Mediapart, est intervenue dans les quartiers marseillais après les fusillades meurtrières d'avril, à Mayotte, lors de l'opération inqualifiable de Wambushu, avant d'être rappelée lors des révoltes urbaines suite au meurtre de Nahel. Alors que vous avez annoncé la création d'ici 2024 de 4 nouvelles compagnies sur le modèle de la CRS 8, basées notamment à Marseille et à Nantes, les alertes se multiplient sur cette unité violente. Un préfet ayant eu la CRS 8 sur son territoire explique que c'est, je cite là aussi, une compagnie qu'il faut tenir reine courte, car elle peut être assez incontrôlable. Un gradé présent à Mayotte, où des membres de la CRS 8 ont tiré à 12 reprises à balles réelles, rappelle qu'un bon maintien de l'ordre est celui qui se passe bien, et déplore les réponses répressives apportées, qui ne résolvent pas le fond du problème. À Rennes, ce sont plusieurs membres de la CRS 8, là aussi, qui se sont distingués par leur violence et sont désormais visés par une enquête. Mise en joue par un lance-grenade, carte de presse arrachée, plaquage ventral, les images sont sidérantes. Monsieur le ministre, vous avez eu sûrement connaissance de ces deux rapports, vous étiez destinataire, vous n'ignorez pas les dérives de la CRS 8, alors pourquoi l'avoir mobilisé lors de ces révoltes urbaines et pourquoi voulez-vous étendre ce modèle alors qu'on sait qu'il est dangereux ? Alors, avant de vous donner la parole, Monsieur le Ministre, j'informe la Commission, mais qu'il avait été déjà par des déclarations, que nous procéderons à la rentrée à une évaluation de la loi de 2017 dans le cadre d'une mission d'information. Et je l'ai déjà annoncé, mais au moins, comme ça, toute la Commission en est informée. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour répondre au Président Lejeune sur les messageries cryptées, je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Il faut distinguer ce qui relève des réseaux sociaux, qui, par ailleurs, ont une fonction de messagerie, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, des messageries cryptées qui sont utilisées parce que messageries cryptées, c'est le cas de WhatsApp ou de Signal ou Telegram, mais qui n'est pas en soi un réseau social au sens où, vous voyez ce que je veux dire, il ne rend pas public un certain nombre de choses ou dans des conditions extrêmement restreintes. Des messageries cryptées qu'utilise une organisation criminelle comme téléphone parallèle à la ligne téléphone classique. Vous avez vu que les policiers dans l'affaire Sky ECC et les gendarmes dans l'affaire EncroChat ont mis à jour de véritables réseaux de messagerie cryptée avec des téléphones cryptés, mais qui sont organisés pour être des circuits parallèles à ces messageries classiques qui utilisent votre téléphone classique. Et puis quatrièmement, ce qu'on pourrait appeler des talkie-walkie ou des radios, qui sont un système de son classique type CB, type radio classique, qu'on utilise pour être en parallèle de tout ce qui ressemble à un téléphone pour pouvoir organiser ces méfaits. Je pense que ce n'est pas la même réponse technique. Et évidemment, ça pose des questions juridiques, d'écoute, administratif ou judiciaire, et d'action sur ce point. Ce qui est certain, Monsieur le Président, c'est que les écoutes téléphoniques classiques, qui est très largement utilisée par les services judiciaires, toujours sous l'autorité magistrat, donc, ou en administratif, après 4 signatures, vous le savez bien, dont celle de celui que vous auditionnez chaque année, me semble-t-il, qui est le président de la Commission nationale des écoutes téléphoniques et des techniques dites de renseignement, ne rapporte plus grand-chose, ces écoutes téléphoniques classiques.
parce que tout le monde utilise ces messageries dites cryptées, quel que soit ce modèle, et notamment les deux premiers, parce que, un, ils sont plus faciles, plus aisés, plus modernes, et puis deux, parce qu'ils ont la réputation, vraie ou fausse, d'être sécurisés. Bon. Et si des gens qui n'ont rien à se reprocher utilisent ces messageries cryptées, je pense que c'est le cas, me semble-t-il, de 100% ou quasiment des parlementaires qui sont par exemple ici. Et personne n'a rien à se reprocher ici, bien évidemment. Les utilisent. Alors imaginez que ceux qui ont des choses à se reprocher, ils les utilisent d'autant plus, surtout que la plupart des solutions sont gratuites. Alors, quelle est la solution? Est-ce que technologiquement, nous pouvons écouter ou regarder des messages qui relèvent d'une de ces quatre catégories? La réponse est oui. Nous avons les moyens, et la France est un grand pays avec des grands services de renseignement, nous avons les moyens de pouvoir regarder, écouter des messages qui relèvent de ces messagers dits cryptés, avec notamment ce qu'on appelle la captation dite à distance. C'est-à-dire que dans une écoute téléphonique classique, vous écoutez l'onde, la radio, le message entre deux téléphones. Dans une écoute téléphonique moderne, messagerie cryptée, par exemple sur WhatsApp, sur Signal, sur Telegram, et à ce titre, il n'y a pas de messager plus crypté que les autres. Nous regardons le téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Qui peut soit agir comme un micro, mais vous avez une discussion, me semble-t-il, avec le garde des Sceaux, très intéressante, de cette question ces derniers jours, soit en filmant le téléphone, et ce n'est pas la messagerie que l'on regarde, c'est le téléphone que l'on regarde, qu'on écoute, qui nous permet d'avoir ces renseignements. Est-ce que juridiquement, vous nous autorisez à le faire? La réponse est oui, en terrorisme. Et la réponse est oui, en criminalité organisée, le très grand banditisme. Est-ce que vous nous autorisez à le faire pour la délinquance, on va dire, de droit commun, je mets des guillemets, petit trafic de drogue, un meurtre qui n'a pas l'air un meurtre de crime organisé, donc des choses qui sont très difficiles pour le pacte républicain, mais qui ne relèvent pas de la définition juridique, vous ne nous autorisez pas à le faire. Donc moi, je ne peux pas, en administratif pour ce qui me concerne, ou les magistrats en judiciaire pour ce qui les concerne, regardez ce qui se passe sur Facebook, sur Telegram, sur Twitter, sur Snapchat, sur tout ce que vous voulez, si vous n'êtes pas en terrorisme et si vous n'êtes pas en criminalité organisée. Et donc dans ces cas-là, même vous donneriez des éléments précis, je ne pourrais pas le faire parce qu'on ne m'autoriserait pas à le faire. Alors ceci étant dit, faut-il faire évoluer la loi? Moi personnellement, j'y suis favorable. Dans des conditions évidemment d'encadrement et de respect de la liberté privée. Mais c'est quoi les messages cryptés si c'était que la modernisation de l'appel téléphonique d'hier ou d'avant-hier? Que nous pouvons utiliser, nous pouvons écouter téléphoniquement des gens en administratif ou en judiciaire pour des choses qui ne relèvent pas du terrorisme et du grand banditisme. Donc nous le faisons évidemment, notamment pour les finalités que le président de la délégation au renseignement a à connaître et dont je rends compte en tant que gouvernement pour savoir est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces techniques pour cela. Et donc évidemment, tout cela est contrôlé. Et bien sûr, le gouvernement, et notamment le ministre de l'Intérieur, est très contrôlé sur cela. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra qu'on se pose cette question. Alors, il y a trois types de possibilités. Soit vous nous autorisez à le faire. Ça pose des questions de liberté publique très importantes qui relèvent sans doute de la même discussion qu'il y a eu autour des écoutes téléphoniques hier. Soit en administratif, soit en judiciaire, soit aux deux. Mais pour gérer des manifestations, ce n'était pas en judiciaire. Les deux premiers jours, c'était au moins en administratif, vous le constaterez avec moi. Soit vous nous dites, il faut que vous ayez, ou alors qu'on vous donne la possibilité d'avoir des failles dans le système des entreprises qui gèrent WhatsApp, Signal, Telegram. Et donc, il y aurait une sorte d'obligation à ce que les services de protection du pays, dans des conditions qu'il faut évidemment encadrer, puissent obtenir de WhatsApp, de Signal, de Telegram, sous peine de, sinon ils ne diffusent pas en France, un accès lorsque nous jugeons quelqu'un. Donc là, on n'écoute pas ce que vous dites ou votre téléphone. On a une autorisation pour entrer dans le système qui permet de voir ce qui se passe pour telle ou telle personne. Ou alors, on part du principe que la liberté et la sécurité, c'est un équilibre difficile à obtenir, et qu'on accepte parfois que les services du ministère de l'Intérieur ne soient pas si efficaces que demandés par la population, parce qu'on ne veut pas rentrer dans une société où le ministère de l'Intérieur a des moyens de surveillance. Et dans ces cas-là, on accepte qu'il y ait des émeutes, on accepte qu'il y ait des drames, parce que simplement, on préfère la liberté, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à l'action répressive ou de surveillance. Ce qui est certain, c'est que la réponse est sans doute un peu dans les trois. Et qu'il faut que vous compreniez bien que le ministère de l'Intérieur, contrairement à ce que j'ai pu entendre et lire à la télévision, j'ai même vu des parlementaires du Rassemblement national le dire, mais je ne suis pas présent ici et c'est dommage, dire que fait le ministre de l'Intérieur? Il devrait regarder Snapchat et regarder Facebook et regarder Telegram.
Mais ce n'est pas la loi. Moi, j'applique la loi de la République. Et les policiers et les gendarmes, ils appliquent la loi de la République. On ne peut pas regarder Snapchat, Telegram. On peut le faire soit en source ouverte, soit lorsque des personnes sont déjà sous technique de renseignement et qui contribuent, je répondrai à la question, je ne sais pas moi, la conjonction des luttes, comme vous les avez appelées, ça nous est arrivé, ou alors en judiciaire. On a des messages, on a des personnes, et on demande qu'on nous autorise, et on judiciarise, c'est ce que fait Pharos, pour suivre cette personne. Mais on a forcément un temps beaucoup plus long. Donc c'est évidemment un sujet extrêmement essentiel. Dans ce qui s'est passé à Sainte-Soline, par exemple, il y a eu à la fois les messages cryptés dits classiques, mais il y a eu aussi ce qu'on appelle les radios. Il y a un système de radio parallèle. Voilà. Ça, c'est une autre façon, évidemment, de regarder les choses. Alors, il y a plein de moyens technologiques pour pouvoir surveiller tout ça, les IMSI cacheurs. Enfin, vous avez sans doute eu l'occasion de discuter avec ça avec les chefs des services de renseignement. Donc, on a les moyens technologiques de le faire. Je veux juste souligner que dans le cas de Sky, ECC ou d'Encrochat, nous avons pu, et c'est très intéressant, et si vous ne l'avez pas fait, je vous demande, enfin, vous pourriez auditionner les enquêteurs avec Europol et Interpol qui ont réussi à arrêter ça. On a pu regarder des vidéos, il se passait des vidéos en direct d'assassinats pour montrer à leurs commanditaires qu'ils avaient fait leur assassinat. Donc on a pu arrêter des gens, des équipes de tueurs, notamment dans le port du Havre, notamment dans le port de Marseille, qui allaient procéder à d'autres interpellations, bien évidemment. On a pu aussi récupérer beaucoup d'images pédocriminelles, parce qu'il y a beaucoup de viols en direct qui se font aussi par l'intermédiaire, malheureusement, de ces outils. Et donc, ce qui est certain, c'est quand on arrive à démanteler un système parallèle que nous ne connaissons pas et que nous démantelons grâce au travail de la police et de la gendarmerie, ne serait-ce qu'en saisissant tout simplement les téléphones qui n'existent officiellement pas, nous obtenons d'énormes résultats dans la lutte contre la drogue, d'énormes résultats dans la lutte contre la criminalité. C'est un équilibre entre sécurité et liberté qui est vieux comme la commission des lois, monsieur le Président. Sur Meaux, madame la députée, j'entends, mais ce qui s'est passé à Meaux s'est passé un peu partout en France. J'étais en contact direct avec monsieur le maire de Meaux, que je salue d'ailleurs, Jean-François Copé, qui m'a demandé une unité de CRS qui, vous avez vu, est arrivée dès le lendemain. Lui-même était surpris, me semble-t-il, parce que Meaux n'est pas une ville qui connaît une délinquance particulière dans les émeutes, par le travail qu'a fait le maire et son équipe municipale, bien évidemment. Et après, évidemment, il y a une question de matériel, madame la députée, mais bon, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Vous savez, les émeutes, enfin, moi, je veux bien qu'on en discute, évidemment, c'est important. Les dernières émeutes importantes, c'est 2005. L'émeute que nous avons connue, c'est 2023. Donc, des émeutes de cette catégorie, tous les 18-20 ans. Bon. Alors, c'est à la fois important parce que c'est traumatique. Mais en même temps, relativisons un tout petit peu. À Meaux, il ne se passe pas toutes les semaines des choses qui considéraient qu'il faudrait équiper contre des tirs de Kalachnikov l'intégralité des policiers et des gendarmes. Bon. Donc, il y a un travail à faire d'amélioration. Je constate qu'aucun policier et gendarme, avec vous, n'ont été victimes de tirs mortels ou blessants, à deux exceptions près, à ma connaissance. Qui est ce policier de Nîmes qui a eu une balle de 9 mm dans son gilet pare-balles, il était protégé par son gilet pare-balles, donc l'administration n'a pas fait si mal son travail, et des policiers à Lyon qui ont été tirés, me semble-t-il, à la chevrotine, ce qui est évidemment tout à fait condamnable, mais qui n'ont pas entraîné leur mort, fort heureusement. Il n'y a pas eu de tir de Kalachnikov contre les forces de l'ordre. Peut-être qu'est-ce le prochain drame qu'on aura. Je ne dis pas, mais je constate que ce n'est pas le cas. Par contre, ce qu'il y a eu contre les policiers, c'est des mortiers, des cocktails Molotov et des coups et blessures extrêmement graves. Je pense à ces policiers de Marseille qui ont été molestés à terre, dont chacun, et d'ailleurs dont les auteurs contre ces policiers ont été interpellés. Voilà, c'est les victimes. Pour l'instant, les armes utilisées ne sont pas des armes qui, manifestement, sont utilisées sur des règlements de compte, par exemple sur les points d'île. Ça arrivera peut-être un jour. Et évidemment, il faut s'y préparer. En vous le disant, je ne nie pas. Mais je constate que le matériel, même si ici ou là, il y a pu avoir une exception, le matériel présent est plus important, de meilleure qualité, que c'était le cas il y a 3-4 ans quand je suis au ministère de l'Intérieur. Et j'ai parlé des vêtements unifugés. Et c'est évidemment le cas. J'ai répondu, je crois, tout à l'heure à monsieur le député sur le matériel de maintien de l'ordre. Sur le RAID et ce qui s'est passé dans l'Est de la France, d'abord, je veux évidemment dire que ce monsieur qui lutte contre la mort, puisque, à ma connaissance, il est toujours dans le coma en Belgique, si mes informations sont bonnes, évidemment, c'est un drame. Et je veux apporter à lui-même et bien sûr à sa famille tout mon respect, tout mon soutien. Et toute la lumière doit être faite. Et vous savez, madame, que l'inspection générale de la police nationale a été saisie en judiciaire et qu'une information judiciaire a été ouverte immédiatement, bien sûr. Alors vous me disiez, bon, moi je peux pas faire de commentaires sur cette enquête judiciaire, mais vous me disiez, madame, et sur le rôle de ce monsieur, je ne sais pas, vraiment, encore une fois, je vais avoir des mots extrêmement forts pour le soutenir, lui et sa famille. Vous me disiez, que faisait le RAID dans cette commune? Bon, vous le savez, puisque je crois que vous êtes élu de ce territoire, mais il y a eu la veille un cabinet médical qui était incendié dans cette cité.
Il y a eu un centre pour autistes et pour enfants autistes qui a été attaqué, incendié dans cette cité. Et il y a eu des véhicules qui ont été brûlés. Et qu'à la demande des élus, il y a eu une unité d'intervention comme partout sur le territoire national. Donc qu'on ne fasse pas croire non plus à la commission qu'il ne s'est rien passé, qu'on a envoyé le raid pour le plaisir d'envoyer une brigade d'intervention. Quand on attaque un centre pour autistes avec des jeunes enfants autistes à l'intérieur et un centre médical, voilà, et ça, je veux dire qu'il y a une justification que le directeur départemental de la police a entendu la demande des élus et a demandé le raid qu'on lui a évidemment accordé comme partout sur le territoire national. Et là, c'est le raid, ça aurait pu être le GIGN, ça aurait pu être la BRI, ça aurait pu être le PSIG. Pour plein de raisons, il y a une répartition géographique dans votre territoire. Ça ne veut pas dire, madame, que je couvre tout ce qui se serait passé dans des conditions qui ont entraîné, en tout cas, le drame pour ce monsieur. Mais je ne connais pas les circonstances exactes de ce qui s'est passé. Je veux apporter mon soutien à ce monsieur et à sa famille. Mais je crois que l'utilisation des brigades d'intervention telles que je l'avais définie était justifiée dans la mesure où, dans ce quartier très précis, il y a eu la veille des atteintes extrêmement fortes que ne voulait pas revivre ce quartier. Pour monsieur Boucard, vous évoquez les mortiers. Vous avez raison. Alors, les mortiers, je pense qu'il faut qu'on en tire des conclusions assez définitives désormais. Quel est le problème ? Le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas une arme par destination et qui le devient. Donc il ne s'agit pas d'interdire les feux d'artifice. Je pense que chacun en dit... Ce n'est pas la proposition que vous faites, d'ailleurs. Mais c'est qu'on puisse dire que les feux d'artifice, qui tout le monde, chacun le sait, c'est quelque chose à la fois de beau mais de dangereux, doit être utilisé par des professionnels. Donc moi, je serais assez d'avis, je mets ça à la sagacité de la commission des lois, de faire ce que nous faisons parfois dans certains produits de pharmacie. C'est-à-dire que seuls certains commerces peuvent le vendre et pas tous. La plupart des ventes, vous savez, ils sont faites soit sur Internet, soit à la frontière, mais aussi elles sont faites dans des bazars, dans des commerces, des shops d'occasion. Et en fait, vous savez bien que c'est une revente ou une re-revente. Et dans toutes les saisies qu'on a faites, on l'a souvent fait dans des magasins qui ne devaient pas les vendre normalement. Bon, mais ce n'est pas interdit en soi de le faire. Mais ce feu d'artifice, ces mortiers étaient ainsi utilisés. Et il y a eu aussi beaucoup de coopération internationale, parce qu'ils sont souvent produits en Pologne et en République tchèque. Et notamment, il y a une très belle opération qui a été faite par la police en lien avec les douanes d'un camion qui a été arrêté en Allemagne avec une tonne de mortier qui était à livrer, sans doute d'ailleurs pas très loin de votre territoire. Donc moi, je serais d'avis que nous utilisions la même réglementation de la production à la destruction de ce type de feu d'artifice et de mortier. Qu'on mette à chaque fois un numéro, un signalement, un suivi, comme on le fait pour les médicaments, par exemple, qui, de la production à la destruction de chez pharmacien, post-pharmacien, tout cela est suivi. On sait quand le produit est supprimé et quel est le tracé exact. Qu'on autorise que certains commerces à le vendre et qu'on ne le vende qu'à des gens qui ont des cartes professionnelles ou qui ont une habilitation à le faire. Et par ailleurs, qu'on soit extrêmement ferme et pourquoi pas renforcer un certain nombre de sanctions pour ceux qui vendent illégalement sur Internet. Et par ailleurs, je prendrai initiative avec mes collègues européens au prochain Conseil des ministres de l'Intérieur européen. Alors ça aurait dû être jeudi, mais vous avez vu que je ne suis pas sûr d'être ministre de l'Intérieur encore jeudi, donc on va attendre le prochain Conseil des ministres de l'Intérieur, parce que je vois qu'Éric Ciotti me regarde. Je veux dire... Enfin, il n'est pas le seul. C'est du travail. Mais c'est un très, 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 très honorant de l'être. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment avec tous les pays européens, parce que ce qui s'est passé, je prends l'exemple de ma propre circonscription, la ville de Moucron en Belgique, heureusement que je connais la bourgmestre qui a interdit la vente parce qu'on lui a demandé. Mais il y a beaucoup de communes qui frontalières qui ne l'ont pas faite. Donc je pense qu'il y a un truc à faire, et notamment parce qu'il y a des Français qui vendent aussi du côté allemand, du côté belge, du côté italien ou du côté espagnol, quand ce sont eux qui connaissent des émeutes ou des difficultés. Donc je pense qu'il y a une réglementation à avoir. Je ne suis pas sûr qu'il faille qu'il faille beaucoup durcir les sanctions, sauf peut-être sur Internet. En revanche, il y a à réglementer cette profession. Et je peux comprendre que les artificiers se sentent choqués lorsqu'on les confond avec les émeutiers. Mais manifestement, n'importe qui ne peut pas utiliser des mortiers pour répondre à votre question. Madame Brocard, vous évoquez les refus d'obtempérer. Moi, j'ai quelques chiffres à vous donner. Police et gendarmerie confondus, pour que les choses soient bien claires. Mais vous aurez ça dans l'évaluation, j'imagine, que vous conduirez. En 2017, il y a eu 9386 policiers et gendarmes blessés en mission dans le cadre des refus d'obtempérer. Et en 2022, il y en a eu 9268. C'est-à-dire qu'il y a à peu près chaque année le même nombre de refus d'obtempérer qui blessent des policiers et des gendarmes. On parle bien de quasiment, mesdames, messieurs, 10 000 policiers et gendarmes blessés chaque année d'une manière ou d'une autre. Pas toujours mortels, fort heureusement. Mais c'est-à-dire qu'on a affaire à des choses extrêmement violentes, qu'ils soient des quads, des motos, évidemment, des voitures. L'usage, alors qu'il y a à peu près 10 000 personnes blessées,
Et si je regarde les tirs, l'usage de l'arme opérationnelle, police et gendarmerie tout confondu, c'était 429 tirs sur 10 000 personnes, hein, dont la vie est quand même potentiellement en difficulté. Bon, je reprends. 429 tirs en 2017 et c'est 317 en 2022. Et c'est une tendance qui est plutôt à la baisse, puisque c'est 341 en 2021, c'est 330 en 2020, c'était 341 en 2019, et c'était 351 en 2018. Donc je ne veux pas faire l'évaluation de la loi 2017 avant vous, mais elle n'a pas, et le Premier ministre Cazeneuve a raison de le dire, elle n'a pas encouragé les policiers gendarmes à tirer davantage. Et là, ils ont moins tiré que depuis 2017, alors qu'il y a eu à peu près le même nombre de gens blessés et gendarmes. Alors après, il y a les tirs sur les véhicules en mouvement, qui est un autre sujet. Pour lequel, d'ailleurs, il faut sans doute former davantage les policiers et gendarmes, parce qu'ils font beaucoup de tirs fixes, je l'ai déjà dit, et pas assez de tirs en mouvement. C'est tout à fait juste. Il y a eu 255 tirs sur véhicules en mouvement en 2017. Il y en a eu 168 en 2022, 201 en 2021, 194 en 2020. Donc, bien sûr, il faut davantage former, mais partout où je regarde les choses, il n'y a pas davantage de tirs, y compris sur les tirs en mouvement. Et je regarde police et gendarmerie, c'est les mêmes tendances. À ce titre, je voudrais ainsi non pas corriger, mais compléter ce qui vous a pu être dit ici. Il y a eu 202 tirs pour la police nationale en mouvement, 53 pour la gendarmerie. En 2022, c'est 138 tirs pour la police nationale en mouvement et 30 pour la gendarmerie. Refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, c'est-à-dire pour le policier ou pour quelqu'un qui passe, parce que ça arrive évidemment. Il y en a eu 4246 en 2017. 4905 en 2022. Donc ça a même tendance à augmenter. Et c'est vrai dans les cas précis. Alors il est tout à fait vrai que dans l'année 2022, on a déjà l'occasion de le dire, il y a eu plus de morts de la part de ces tirs alors qu'il y a eu moins de tirs. Et c'est une année qu'il faudra regarder dans votre évaluation, je pense que ça sera intéressant de le faire, qui est astatistique par rapport à 2017, puisque en 2021 c'était 4, en 2020 c'était 2. Donc ce n'est pas la loi de 2017 qui a débloqué les policiers et les gendarmes, et ils n'ont pas fondamentalement changé leur formation, leur tir. Donc qu'il faille évaluer, très bien, mais moi je veux redire que ce n'est pas un permis de tuer, comme d'ailleurs l'a très bien dénoncé Bernard Cazeneuve. Sur l'indépendance de l'IGPN, l'IGGN, bon, c'est un vieux débat, on ne va peut-être pas alourdir les propos, madame la députée. Ce que je constate avec vous, madame, c'est que pour enquêter, il faut des enquêteurs. Les enquêteurs, ils sont où ? Dans la police ou la gendarmerie ? Que fait le magistrat ? Le magistrat, il choisit le service qu'il souhaite pour enquêter. Parfois, il choisit des gendarmes pour enquêter sur des policiers. Parfois, il choisit des policiers pour enquêter sur des gendarmes. Parfois, il choisit l'IGPN. Parfois, il choisit un autre service, la police judiciaire, par exemple. Donc d'abord, il n'y a pas d'obligation pour l'IGPN et l'IGGN d'enquêter dès qu'il y aurait ce qu'on appellerait une bavure. Il y a un service spécialisé, mais il y a d'autres services qui peuvent le faire. Le magistrat est libre de le faire. Deuxièmement, madame, vous faites semblant de voir que l'IGPN ou l'IGGN, ce n'est qu'un service qui contrôle les autres en judiciaire. Mais ce n'est pas vrai. C'est une direction de notre administration qui, comme toute inspection, l'inspection générale des finances, enfin toutes les inspections qui existent, est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et qui agit soit en administratif, et c'est normal qu'en administratif soit quand même les directeurs que je nomme qui évaluent ce que je fais. Sinon, pardon, mais ça devient très compliqué d'être ministre dans le gouvernement et dans ce pays. Et par ailleurs, ce ne sont pas les mêmes qui, eux, en procédure d'enquête, agissent sous l'autorité des magistrats. Donc si vous voulez les rendre indépendants, il faudrait au moins, avouez-le, distinguer ce qui relève de l'évaluation interne de l'administratif et de ce qui relève du judiciaire. Mais vous allez encore créer des enquêteurs spécialisés, mais en tout cas, il faut distinguer les choses. Et puis troisièmement, madame la députée, il faut bien voir que ce que fait l'IGPN et l'IGGN aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que faisait l'IGPN et l'IGGN il y a encore 10, 15 ou 20 ans. D'abord, c'est jamais agréable pour un policier, pour un gendarme, d'aller, comme ils disent, voir les bœufs carottes. Ils sont mis en garde à vue, ça se passe pas très bien toujours, ils se sentent extrêmement vexés d'être contrôlés par leurs propres collègues. Ils sont souvent pas très bien vus de leurs autres collègues. Croyez pas qu'il y a une communauté de gens qui se réunissent à la cantine et qu'ils échangent entre services. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Bon. Et ceux qui sont à l'IGPN, ils tombent pas dans les commissariats après. Ils se spécialisent. Voilà. Mais je publie désormais les rapports de l'IGPN. J'oblige les directeurs généraux à expliquer pourquoi ils suivent ou ne suivent pas ces propositions. Et il m'arrive de réformer, et toujours dans le sens de la gravité, les propositions faites par l'IGPN et l'IGGN. Donc voilà, on pourra en reparler à l'envi. Il n'y a pas de sujet. Je rappelle que la défenseur des droits peut se saisir, que les tribunaux peuvent se saisir,
et que nous avons, je crois, beaucoup discuté de ça dans le Beauvau de la sécurité. Sur la question de M. Molac sur les militaires de l'Orient, enfin certains, pas tous, quelques-uns, bon, qui se seraient mobilisés, écoutez, moi je crois qu'en effet, des services de renseignement que j'ai eus, les choses sont vraies, il y aurait eu des militaires qui, pour des raisons que je ne comprends pas bien, auraient, je mets des guillemets, prêté main forte au service de sécurité sans aucune espèce, évidemment, de loi et de règlement qui le permet. J'ai saisi le ministre des Armées, qui a demandé une enquête de la DASD, qui va donc, voilà, vous savez bien, regarder ce qui se passe. Une enquête est par ailleurs ouverte, et les choses sont particulièrement surveillées. Nous avons eu dans le sud-ouest de la France, je ne sais plus devant vous si c'est Castres ou Carcassonne, enfin, c'est une ville de garnison qui a connu à peu près les mêmes choses, dans des circonstances moins importantes. C'était pas Castres, monsieur le député. Bon, bah, ça devait être Carcassonne, alors. Et donc, on a eu ces deux faits-là, à ma connaissance. Il y a eu aussi des groupes d'ultra-droite à Angers et à Lyon, il y a eu des manifestations, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de milices. Alors qu'Angers, il y en a manifestement eu, mais voilà. D'autres enquêtes ont été ouvertes. Des personnes ont d'ailleurs été interpellées, je veux le dire ici. Donc oui, c'est tout à fait condamnable. Non, c'est absolument pas acceptable. Et oui, on doit particulièrement surveiller ces profils. Je me permets de dire, monsieur le député, que le jour où la police et la gendarmerie n'a pas les moyens de faire respecter l'ordre public, il ne faudra pas s'étonner que des gens essaient de se faire justice eux-mêmes. Qu'il s'agisse, malheureusement, de gens qui pourraient avoir accès à des armes, ou du buraliste qui en a marre de se faire voler, comme je l'ai vu à Reims, pour la 5e fois dans l'année, et qui a décidé d'attendre tout le monde parce qu'il est chasseur avec son fusil, et qu'il a un certain âge. Donc je pense que la bonne... Si on veut éviter tout ça, et je sais que vous êtes un républicain et que vous en êtes conscient, c'est à la police républicaine de le faire, parce que dès qu'on montre de la faiblesse, évidemment, les gens se font justice eux-mêmes. Madame Chandler évoque la question de finalement des mouvements qui auraient profité ou pas de ces violences. Il y a eu une tentative. Elle a réussi dans un endroit, à Toulouse, dans le quartier du Mirail, où l'ultra-gauche a fait des actions en commun avec les émeutiers. C'est, à ma connaissance, le seul endroit où cela a fonctionné. Partout ailleurs, il est même arrivé que des gens de l'ultra-gauche se fassent très mal recevoir par les émeutiers. Et partout ailleurs, lorsqu'il y a eu des manifestations dites contre les violences policières qui ont été tenues et qu'on a essayé de faire une sorte de conjonction des luttes, ça a été le cas sur les Champs-Élysées à Paris, ça a été le cas dans plusieurs villes, notamment à Lyon, et ça a été le cas, encore une fois, à Marseille et à Toulouse, ça n'a pas tenu et ça n'a pas marché. Et oui, les services de renseignement, notamment les renseignements territoriaux, les notes sont à disposition de M. le Président, ont documenté ça. Donc il n'y a pas eu de conjonction des luttes. Ponctuellement, ça a marché qu'au Mirail. Mais il y a eu une tentative, effectivement, de conjonction. Sur la question de la CRS-8 posée par M. Porte, bon, moi, d'abord, je n'utilise pas le mot « reine courte » pour parler d'hommes et de femmes. Moi, je suis respectueux, ce n'est pas des animaux, ce sont des policiers. Non, non, mais je vous le dis, je pense qu'il faut respecter tout le monde. Je vous encourage à passer une journée avec la CRS-8. Le sénateur Durin, qui, je crois, fait partie de la NUPES, a fait une expérience tout à fait intéressante, alors qu'il ne soutient pas le gouvernement, je crois que c'est assez clair, et notamment en discussion qu'on a au Sénat, auprès de la Bravem. J'ai proposé à M. Bernalicis, qui avait dit sur Twitter qu'il voulait le faire, quand je lui ai dit « allez-y », bon, il n'y est pas allé, mais M. Porte, allez-y, passez une journée. Vous verrez que ce n'est pas du tout ce que vous avez décrit. Et je vous encourage, Monsieur Porte, à savoir que chaque CRS qu'on envoie, y compris la CRS 8, sont des gens extrêmement formés. Et oui, c'est une CRS très mobile, parce que nous avons affaire à des personnes de plus en plus violentes, qu'on utilise non pas en maintien de l'ordre, mais qu'on utilise en violence urbaine. Et vous dites Mayotte, mais je pense que vous ne voyez pas beaucoup de nos compatriotes de Mayotte, hein, mais Mayotte, vous savez que les Mahorais sont très heureux. Le responsable de LFI de Mayotte, que j'ai d'ailleurs entendu sur Mayotte Première, a félicité le gouvernement et votre serviteur. Je tiens la vidéo à la disposition de la Commission des lois, en ampliation gratuite faite par mes soins, si vous voulez, Monsieur le Président, pour féliciter le fait que nous ayons redonné de la vie, de la liberté à Mayotte. Donc voilà, je vous encourage à rencontrer votre délégué et les filles mahorais, qui, lui, n'a pas la même vision que vous de l'action de la CRS 8 et des gendarmes mobiles dans le territoire de Mayotte. Et je crois que j'ai... Oui, la question sur Marseille, pardon, parce que je n'arrivais pas à me relire. Bon, Madame la députée, je suis venu, je crois, 5 fois depuis un an que vous êtes élue à Marseille. Je ne crois pas que je vous ai rencontré. Je suis allé pourtant dans beaucoup de quartiers, j'y passe 3 jours à chaque fois. Vous n'êtes jamais venu me voir, donc je ne vous ai pas vu. C'est dommage parce qu'on a parlé plein de choses intéressantes. Mais monsieur Delogu, il vient. Voilà, il n'a pas à être d'accord, mais voilà. Mais
Mais voilà, cinq fois. Oui, je suis venu cinq fois chez vous, vous n'étiez pas là. Donc, d'abord, n'hésitez pas à être aux côtés des Marseillais, parce que sinon, on va croire que je vais me présenter dans votre circonscription, ce qui n'est évidemment pas ma volonté. Je pense que c'est bien d'aller voir les gens en vrai. Voilà. Bon. Hein, ouais. Je laisse ce plaisir au président Houillet. Voilà. Si, mais c'est vrai, je suis venu cinq fois. Vous ne me posez pas de questions sur Marseille, madame. Je suis venu cinq fois, vous n'étiez jamais là pour parler de sécurité, et je passe des jours et des jours. Bon, voilà. Et parce qu'elle est ici, mais madame, un député, c'est quelqu'un qui s'occupe aussi du territoire, surtout quand il vient donner des leçons ensuite. Parce que dire qu'on donne du Doliprane, pardon, mais c'est très insultant pour les policiers, si tant est que vous ne m'aimiez pas, ce n'est pas un problème. Mais dire qu'on donne du Doliprane contre les trafics de drogue, c'est que vous ne connaissez pas le travail des policiers et des gendarmes à Marseille. C'est que toutes les deux heures, ils luttent contre les points d'île qui risquent leur vie tous les jours. Et vous sauriez, madame, qu'on a fait non seulement des prises incontestables à Marseille, et que, y compris dans les quartiers, je pense à la Paternelle, il existe des endroits où il n'y a plus... Oui, vous habitez à côté, mais il n'y a plus de points d'île dans cet endroit précis. Voilà, donc voilà, madame, donc, je pense que vous n'allez pas beaucoup dans cette cité. En tout cas, vous y allez beaucoup moins que j'y suis allé. Je vous encourage, madame la députée, à plutôt encourager le travail des policiers et des gendarmes, de ne pas dire que quand ils risquent leur vie tous les jours, ils donnent du Doliprane contre les trafiquants. Vous aurez constaté que le travail de... Si, si, ce que vous avez dit, c'est très insultant pour les policiers et gendarmes. C'est tout ça. Non, mais écoutez, madame, vous avez vos propos. Et c'est vrai que de Paris, on voit moins bien le travail que font les policiers dans les cités de Marseille. C'est tout à fait vrai. Donc je vous encourage, madame, puisque j'y retourne quotidiennement à partir de cet été. J'y retourne d'ailleurs début août. N'hésitez pas à venir. Je vous préviendrai un peu pour que vous puissiez prendre votre vol entre Paris et votre circonscription. Vous avez proposé, monsieur le ministre, de rencontrer la CRS-8. Avec le député Rudy Gauze, on est allé visiter l'IGPN. Et je conseillais à tous les députés de le faire, puisque on a eu aussi une visite à l'IGPN Île-de-France, où on s'est aperçu de la réalité de ce que vous décrivez, c'est-à-dire de la rigidité, en tout cas de la grande rigueur des enquêtes qui sont conduites à l'égard des policiers qui sont mis en examen et qui ne passent effectivement pas un bon moment, comme vous l'avez pu le décrire. Monsieur Jean Terlier. Oui, merci monsieur le président. Je voudrais à mon tour m'associer aux remerciements à l'endroit des forces de l'ordre, évidemment pour l'engagement qui a été le leur dans le cadre de ces actes de violence qui n'ont malheureusement pas épargné le Tarn, à Albi, à Haussillon et même encore à Castres. Fort heureusement, ces événements sont intervenus dans un contexte de hausse très significative des moyens à l'endroit des forces de l'ordre dans le département du Tarn. J'en citerai deux, notamment la prise de fonction récente du commissaire de police de Castres, mais aussi la reconstitution de la BAC, et ce dont je vous évidemment remercie. Néanmoins, ces épisodes de violence ont permis de mettre un peu plus en lumière les difficultés que rencontrent certaines circonscriptions sous-dotées en effectifs, notamment au commissariat de Castres, où 3 à 4 postes d'OPJ font défaut, ainsi que 2 policiers de voie publique. Aussi, et je vous en remercie par avance, il me semble nécessaire d'apporter une attention toute particulière à ces territoires qui subissent des actes de violence répétés, vous le savez, qui mettent à mal les effectifs, qui montrent aujourd'hui des signes de fatigue inquiétants. Je vous remercie. Monsieur Thomas Ménager. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors on n'a pas eu l'occasion de se voir à Montargis parce que vous n'êtes pas venu, mais vous êtes invité et je serais très heureux de vous accueillir au commissariat de Montargis. Je vais m'associer aux différents propos de reconnaissance envers nos forces de l'ordre de mes différents collègues. Je viens de vous l'indiquer, en tant que député de Montargis, j'ai fait partie de ces villes qui ont été un peu le symbole des villes moyennes qui n'étaient pas touchées en 2005 et qui ont connu un déchaînement de violence. Alors, ce n'était pas une surprise, si par l'ampleur, mais on avait vu ces dernières années une montée importante de la délinquance sur ce territoire. Ce qui avait entraîné à de multiples reprises les élus locaux et le député que je suis depuis un an à vous interpeller, à vous demander des moyens supplémentaires. On a voté la LOPMI. Il y a dans cette LOPMI notamment 200 brigades supplémentaires. Il y en a une qui a été demandée à Pannes. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles seront les dates où vous allez rendre vos arbitrages? Je sais qu'elles ont été reportées parce que vous avez eu du travail. Mais il y a une véritable attente sur cette brigade de gendarmerie à Pannes, c'est-à-dire à proximité de l'agglomération montargoise. Deuxième question, c'était de savoir si vous allez tenir compte, notamment dans les nouvelles mutations, les nouveaux déploiements, notamment des sorties d'école, de ces violences pour la répartition sur le territoire. Est-ce que vous allez tenir compte quand même de ces violences en vous disant, par exemple, Montargis, 2017, 122 policiers, 2022, 94, hors réservistes et hors personnel indisponible. C'est les chiffres, je les ai, et je vous les donnerai si vous voulez à la fin. Est-ce que vous allez en tenir compte dans tous les cas, peu importe les chiffres, on ne fera pas un combat de chiffres. Est-ce que vous en tiendrez compte globalement, au-delà de Montargis? Est-ce que vous allez tenir compte de cette réalité? Et puis le dernier point, c'est le refus idéologique d'un certain nombre de mairies d'extrême-gauche. J'en ai une sur mon territoire, à Chalette, qui refuse de mettre des caméras. Vous avez dit que c'était un élément important, bien entendu. Moi, j'ai des policiers qui me disent « Nous sommes à l'aveugle sur ce territoire, nous ne pouvons pas intervenir
aussi rapidement parce que nous avons des appels, nous ne pouvons pas voir. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que l'État, d'une manière ou d'une autre, reprenne la main sur ces territoires qui sont des zones de non-droit et qu'un certain nombre refusent de vidéoprotéger et de permettre aux policiers d'intervenir? Est-ce que vous pensez aussi augmenter le FIPD pour donner des moyens supplémentaires aux collectivités qui, elles, pour des questions réelles de besoins sécuritaires, le font sur leur territoire? Je vous remercie. Monsieur Andy Cabra. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en juin 2020, l'indignation quitte à l'assassinat de George Floyd est internationale. En France, les alertes sur le racisme de la police et au sein de la police se multiplient. Christophe Castaner, votre prédécesseur d'alors, commande un rapport au déontologue Christian Vigouroux, déontologue du ministère de l'Intérieur, sur l'état actuel des discriminations dans les rangs des forces de l'ordre et de sécurité intérieure. Vous, Monsieur Darmanin, fraîchement nommé à Beauvau, vous avez seulement cherché à cacher les vérités qui blessent, comme un dernier rapport du Conseil scientifique de la DILCRA sur le racisme et les discriminations au sein de la police nationale. Ce rapport, pourtant, est plus que jamais d'actualité. Il appelle à nommer les faits par leur nom. S'il fait d'abord état d'invisibilisation de ces faits de racisme et de discrimination, ce document prouve bien que les comportements discriminatoires de la police se multiplient à l'encontre de la population et qu'ils s'accentuent entre les agents eux-mêmes. Nous déplorons que vous ayez honteusement étouffé et que Mediapart ait été obligé de saisir la CADA pour pouvoir nous le révéler, plutôt que d'essayer d'en parler et d'en tirer les leçons. Pourquoi l'avoir d'abord gardé dans un tiroir ? Un service public de la sûreté peut être un levier et doit être un levier pour conserver un maillage républicain, car seule la confiance permet le consentement à la règle. C'est ce que vous, Monsieur le Ministre, peinez à comprendre. Mes camarades ont fait état de comportements racistes, sexistes ou encore LGBTphobes de la police vis-à-vis de la population. Combien, en absence de vidéos ou de sons, sont passés sous le silence au sein des institutions? Combien terrifient tellement les victimes qu'elles se taisent de peur des représailles de la hiérarchie? L'impunité de certains factieux durera-t-elle encore longtemps? Des recommandations simples et du rapport ont été balayées, et avec vous, ces erismo alternatives. Des policiers que j'ai rencontrés récemment vous recommandent deux solutions. Permettre un pouvoir direct de sanction de l'IGPN et l'IGGN et rendre leurs décisions publiques auprès des agents et des victimes. Ce n'est certes pas la mer à boire, mais cela apporterait un regain de confiance et une exemplarité de ces institutions. Monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. D'abord, permettez-moi, au moment de cette intervention, de rendre un hommage solennel aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers, qui ont permis que la République tienne debout dans des moments extrêmement périlleux et particulièrement dangereux. Je veux vraiment rendre hommage à nos policiers. Je veux les saluer et je veux aussi, Monsieur le Ministre, saluer la façon dont vous les avez dirigés. L'ordre républicain a été tenu et c'était important. Mais les inquiétudes demeurent très grandes pour l'avenir. Vous les mesurez, Monsieur le Ministre. Et vous avez évoqué tout à l'heure une question qui m'interpelle. C'est l'usage des armes, en disant c'est peut-être la prochaine étape. Nous savons que circulent beaucoup d'armes dans ces quartiers. Nous l'avons vu à Nice, au quartier des Moulins, il y a quelques semaines, où en plein jour, une bande armée circulait, Kalachnikov à la main. Qu'est-ce que vous anticipez sur cette menace? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est dans le centre de vos analyses? Quelles actions de renseignement sont conduites et quelles actions de contrôle sont autorisées? Je voudrais ensuite vous poser une question qui a soulevé beaucoup de débats dans la presse sur le rôle des dealers, des trafiquants qui tiennent ces quartiers, dans la régulation qui s'est opérée. Enfin, pour être clair et pour aller droit au but, est-ce que ce sont les dealers qui ont remis de l'ordre dans ces quartiers parce que leur triste commerce, leur sinistre commerce, qu'on peut évaluer à environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par rapport au trafic de drogue, était mis en péril par les mouvements? Qu'en est-il? On voit qu'aujourd'hui, les dealers sont des acteurs sociaux. On l'a vu à Cavaillon, où ils installent une base de loisirs. On le voit à Nice, au quartier des Liserons, où on parle d'un financement. Je suis désolé, Monsieur Ciotti, je suis obligé de vous couper comme tout le monde. Monsieur Jean-Pierre Pont. Merci, Monsieur le Président. Mon intervention va aller au-delà du motif de cette audition, mais reste sécuritaire et surtout d'actualité. Hier, une cinquantaine de migrants, hommes, femmes, enfants, ont voulu gagner la Grande-Bretagne. Bien sûr, c'est
malheureusement fréquents sur la côte de Dopale. Mais hier, c'était en plein jour, à Boulogne-sur-Mer, sur la plage, et devant un certain nombre de touristes. D'ailleurs, de nombreuses photos sont maintenant, ce matin dans la presse. Alors, on sait bien sûr que ces passages sont de plus en plus fréquents, mais ils cherchaient quand même une certaine discrétion. Or, cette banalisation semble inquiétante. Pourtant, beaucoup de choses ont déjà été faites, mais que faudrait-il faire de plus pour éviter tous ces passages? Je vous remercie. Merci. Monsieur Antoine Léaumont. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes nombreux ici à être issus des quartiers, à être issus de l'immigration et à aimer notre pays. Nous ne voulons ni de la haine des policiers, ni de la haine des étrangers. Nous voulons de l'amour de la République. Ces propos, Monsieur Darmanin, ce sont les vôtres. Et pour le coup, c'est assez rare, mais je les partage. Ces propos-là doivent vous inviter à répondre à la question que je vous ai posée le même jour. Ce jour-là, je vous ai posé une question sur le racisme dans la police. Et précisément, quand on aime la République, on considère que ce n'est ni une couleur de peau, ni une origine, ni une religion, ni quoi que ce soit qui définit la citoyenneté française. C'est l'attachement à la République, précisément. Lutter contre le racisme dans la société et dans la police, c'est le devoir des républicains. Et les policiers qui tiennent des propos racistes salissent l'uniforme et précisément détachent un certain nombre de personnes de la République. Parce que se passe-t-il quand un policier tient un propos raciste? Portant l'uniforme, portant le drapeau tricolore de la République française, il envoie le signal à un de nos compatriotes qu'il ne serait pas d'une certaine manière parfaitement et totalement français. Lutter contre le racisme dans la police, c'est une demande de l'ONU. Et c'est un besoin vital pour la République, parce que sinon, on se détache petit à petit des valeurs de la République. Je vous ai rappelé quelques-uns des propos qui ont été tenus. Je continue les auditions avec les jeunes gens. Plus j'en fais, plus je suis choqué des propos qu'ils me rapportent. Quand un jeune homme se fait traiter de kebab, par exemple, par un policier, j'estime qu'on n'est pas dans l'ordre républicain quand un policier tient ce genre de propos. Ce racisme existe, monsieur Darmanin. Il faut le traiter. Et désormais, il faut agir de manière vigoureuse et efficace sur le sujet. Que comptez-vous faire sur ce point? Monsieur Rémy Ribérotte. Voilà. Je voudrais d'abord vous remercier pour ce moment important au sein de la Commission. Dire qu'effectivement, nous soutenons les forces de l'ordre, et je dois dire non seulement notre soutien, mais notre admiration de ce qu'ils ont fait au moment des violences policières, au moment des violences urbaines, excusez-moi, c'était un lapsus non voulu et non révélateur. Et je voulais surtout vous interroger sur le fait, est-ce qu'il ne serait pas temps de relancer de manière forte la politique des CLSPD, des CISPD, des GLTD qui sont à la main des procureurs, de la police de sécurité, enfin de la police du quotidien, tous ces outils qui sont à disposition pour faire le lien dans les territoires entre justice, État, et notamment les procureurs, et les élus locaux qui connaissent leur terrain. Est-ce que ce ne serait pas le moment, alors ce n'est pas la seule réponse, évidemment, à ces violences urbaines, il faudrait une analyse plus profonde, mais déjà relancer fortement cette politique qui peut permettre, sur le terrain, de faire un travail encore plus fort et rassembler les acteurs qui mènent cette politique de sécurité. Et enfin, M. Jean-François Coulomb. Merci, M. le Président, M. le Ministre. Au lendemain de l'assassinat du jeune Naël, abattu à bout portant en plein thorax par un fonctionnaire de police dans l'exercice de sa fonction, le propagandiste néo-nazi Jean Messia lançait, aidé par des médias en totale dérive morale et anti-républicaine, une cagnotte en ligne afin de récompenser l'assassin pour son geste, geste létal salué par tout ce que la droite de notre pays compte de suprémacistes, de néo-nazis et de racistes. Cette cagnotte de la honte a, en quelques jours à peine, récolté plus d'1 600 000 euros, quand la cagnotte du boxeur Détinger, pour quelques centaines d'euros, avait immédiatement été suspendue et confisquée au profit des plaignants. Monsieur le ministre, nous savons bien quel ordre votre ministère zélé défend, mais il s'agit ici plus que d'une cagnotte. C'est une prime,
une prime de chasseur de primes, une prime qui glorifie un assassin pour son crime. Pourriez-vous prendre à votre compte la bienveillance des autorités face à un tel procédé qui s'apparente à un encouragement à commettre de futurs nouveaux crimes ? Votre exemplarité en tant que ministre s'accommodera-t-elle de ce que ces mêmes sponsors d'assassinats racistes organisent de prochaines cagnottes à l'avance pour commanditer et financer d'autres meurtres par anticipation ? Les donateurs, criminels par procuration, en sont bien sûr capables. Quelle est la limite, monsieur le ministre, à votre tolérance ? Auriez-vous toléré qu'une semblable prime soit organisée par des criminels pour récompenser le meurtre d'un fonctionnaire de notre pays ? Non, comme nous tous ici, assumément pas. Enfin, monsieur le ministre, allez-vous procéder à ce que tout ministre républicain devrait faire, confisquer cette honteuse cagnotte de la discorde et de l'incitation au crime et la reverser à la seule victime qui soit encore vivante, la famille du jeune Nahel ? Bien. Je vais donner la parole au ministre. Je vous invite à conserver le calme que vous avez observé jusqu'à présent. J'invite aussi monsieur Coulam à la retenue dans les termes qu'il emploie. Monsieur le ministre. Je ne pense pas avoir... D'abord, monsieur le président, si je peux me permettre, j'invite monsieur Léaumont. Je n'ai même pas répondu à monsieur Léaumont qui met déjà que Darmanin ment déjà par tweet. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas la peine que je vous réponde, monsieur Lemont, puisque si vous avez déjà fait la réponse avant même que j'ai écrit, voilà, c'est totalement désobligeant, c'est très, pardon de le dire, enfantin, et en plus c'est particulièrement déplacé. Mais comme je vous ai vu il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux faire une explication très étonnante sur la Marseillaise, je me suis dit qu'en effet, il n'y a pas que les policiers qui vont être mieux formés, voyez, monsieur le député. Mais je vous devrais retirer ce tweet parce qu'il est objectivement insultant et il n'est pas à la hauteur, me semble-t-il, de votre intelligence, qui je suis sûr et certaine. En cherchant bien, je suis sûr qu'on pourrait trouver un moyen de discuter. Mais c'est un point, voilà, très bien. Donc je ne vous répondrai pas, puisque... Ah non, je ne vous répondrai pas, monsieur Léaumont, parce que vous êtes manifestement... Non, vous êtes manifestement contre le débat républicain équilibré, et vous êtes... Et monsieur Léaumont, manifestement, on n'est pas tous issus des quartiers, on n'est pas tous issus d'immigration. En tout cas, moi, je suis issu des quartiers d'immigration et je ne fais pas de mobilité. Je ne sais pas, monsieur le député. C'est pas un monologue. Monsieur Léaumont, vous n'avez pas la parole. Monsieur le ministre va continuer à répondre aux autres collègues. Et on va finir cette audition. Je n'ai personne, monsieur le député. Monsieur le député, je n'ai jamais fait de mobilité sociologique électorale pour me faire élire ailleurs que chez moi. Mais j'imagine que vous avez toujours habité, et bien sûr, dans votre circonscription pour bien comprendre la difficulté des quartiers. Vous m'avez insulté avant même que je vous ai répondu publiquement. Voilà. Soit tout le monde reprend ses esprits, soit on arrête là l'audition. C'est clair ? C'est à votre disposition. Donc, maintenant, on répond aux questions des autres. Et monsieur Leman, vous laissez tranquille monsieur le ministre. Pour monsieur Coulom. Bon, j'espère que je prononce bien, je vous prie d'excuser. Je pense que rien ne va dans votre intervention, mais chacun a ses libres propos, bien évidemment, et comme vous avez la gentillesse de ne pas faire de tweet pour m'insulter avant que je vous réponde, je me permets de le faire bien volontiers. D'abord, monsieur le député, je ne suis pas certain, et heureux ceux qui ont des certitudes, mais que vous soyez le procureur de la République ou le juge d'instruction qui qualifie ce qui s'est passé à Nanterre. On peut être choqué. Je pense que je me suis exprimé très clairement. On peut se poser de graves questions. On peut considérer que ce n'est pas ce que l'on souhaite comme intervention, comme lois qui sont votées et comme action. Mais évoquer, qualifier d'assassinat raciste ce qu'a fait ce policier à Nanterre et juger avant de juger. Et je veux redire ici que si j'ai considéré que ce policier avait des indices graves et concordants puisqu'il est mis en examen et qu'il est en détention provisoire, et que, évidemment, j'ai moi-même dit qu'il ne semble pas être conforme à des actes de droit et de déontologie de formation d'intervention, le condamner par avance sans forme de procès me rappelle des sens de l'histoire qui ne sont pas d'un terme démocratique. Donc je pense que quand on veut apaiser les situations et regarder les choses avec honnêteté, et j'en suis certain que vous êtes un homme de bien, je crois qu'on ne peut pas utiliser ces propos qui sont extrêmement contraires, me semble-t-il, au minimum de l'état de droit qu'on attend du reste. Par ailleurs, vous faites une comparaison étonnante, monsieur le député. Vous évoquez l'assassin, le policier, et le simple boxeur pour la cagnotte. Non, c'était quelqu'un qui attaquait des policiers. Et tout le monde l'a vu sur les mêmes vidéos. Il a, sur les ponts de la Seine, violenté des pères et des mères de famille qui faisaient leur travail, et il les a violentés. Donc vous pourriez au moins, et ça montre peut-être votre démonstration, qui en fait est très partiale, vous n'êtes pas contre les violences, vous êtes manifestement contre les violences qui sont que d'un camp. Vous pourriez au moins qualifier ce boxeur qui n'est pas
comme dans Jack London, quelqu'un qui voudrait juste travailler pour avoir son steak, des gens qui étaient des agresseurs. Et ça n'a rien à voir avec la boxe. Ça a tout à voir avec la délinquance. Vous pourriez au moins le qualifier comme tel. Et puis, troisièmement, monsieur le député, je vous ai expliqué deux fois dans l'hémicycle, et je suis désolé de le répéter une nouvelle fois, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui interdit des cagnottes. Si vous voulez voter une loi pour donner plus de pouvoir, vous, la France insoumise, au ministre de l'Intérieur, je trouverais que c'est original dans votre idéologie politique, mais je suis pourquoi pas autorisé, c'est la justice. Et c'est le tribunal judiciaire qui a interdit et saisi la précédente cagnotte. Je ne suis pas juge, et contrairement à vous, je n'ai manifestement pas envie de le devenir, je n'ai pas raté ma vocation. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer comme la Première ministre sur ce que je pensais de cette cagnotte. À ce titre-là, vous avez vu que la justice, par ailleurs, a été saisie. Laissez la justice faire son travail dans le cadre des lois votées par la République. Donc pardon, monsieur le député, je ne peux partager vos propos, et je les trouve extrêmement excessifs, pour ne pas dire... très contraire au droit sur la qualification que vous faites vous-même de cet acte que nous pouvons tous trouver choquant, et je me suis permis de le dire moi-même, et ce qui ne retire rien au drame qu'a vécu la famille du jeune Naël. Sur la question de Castres, 67 policiers en 2016, 76 en 2022. En manque-t-il ? Sans doute, il manque toujours des policiers, monsieur le député, dans des commissariats. Bon. J'attends le moment où quelqu'un m'envoie une lettre pour me dire merci beaucoup, ça a augmenté de 14, et vraiment, il y en a trop, rendez-en aux autres, rendez-en aux autres. Ce qui manque, et vous l'avez dit, monsieur le député, et monsieur Terlier, je connais votre attachement à la police nationale et à votre circonscription, c'est des OPJ. Et pourquoi il manque des OPJ ? Parce que je ne peux, je le répète une nouvelle fois devant votre commission, je ne peux envoyer de force des officiers de police judiciaire dans les commissariats. Je peux ouvrir des postes. Et après, les gens y vont ou n'y vont pas. Je ne peux pas les forcer à y aller. Les seuls policiers que je peux forcer à aller quelque part, c'est lorsqu'ils sortent d'école. Et grâce à la loi que vous avez votée, et vous aurez constaté que désormais, ils ont réussi, 60% des promotions d'ailleurs, monsieur le Président, ont réussi le bloc OPJ, ce qui montre que ce que nous avons, la première partie du bloc OPJ, ce qui montre ce que nous avons imaginé fonctionne. Et je vais pouvoir envoyer des premiers blocs OPJ dans des commissariats. Mais ça, ce sera les premières promotions que je vais pouvoir faire maintenant, ce que je ne pouvais pas faire auparavant. Et par exemple, à Marseille, je vais pouvoir envoyer 7 gardiens de la paix directement à la PJ de Marseille, ce qu'aucun ministre intérieur ne pouvait faire avant, grâce à la réforme que nous avons collectivement votée. Et puis, deuxièmement, il manque structurellement 5 000 OPJ en France, puisqu'il devrait y avoir 22 000 et qu'on est à peu près 17 000. Pourquoi il manque des OPJ ? Parce que c'est un concours difficile, parce qu'il faut s'arrêter pour pouvoir travailler, pour passer ce concours, et c'est pas évident quand on est un père et mère de famille, bien évidemment, et peut-être qu'il faut qu'on accompagne davantage les policiers qui ont envie de passer ce concours, parce que les enquêtes sont par ailleurs plus complexes, avec plus de paperasserie, que ça décourage parfois les officiers de police judiciaire, mais aussi parce que les OPJ ont parfois fait autre chose que des enquêtes. Quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, je vous ai déjà dit que j'avais des OPJ aux renseignements territoriaux. Ils ne font aucune enquête. Les OPJ, c'est fait pour faire un travail de police judiciaire. Et donc c'est pour ça que la réforme de la police nationale, si décriée, mais qui, vous l'avez vu, avance et avance bien, nous permettra de travailler sur l'ensemble de l'investigation et, je l'espère, renforcer considérablement le rôle des OPJ. On leur fait désormais des avancées profilées, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, ils choisissaient OPJ et ils avaient moins de chances d'avancer que la moyenne des gardiens de la paix qui n'était pas OPJ, c'était pas bien. Il y a une question autour des horaires et évidemment de la reconnaissance, et puis une question financière. On est passé désormais à 1 500 € la prime d'OPJ, c'est pas assez, mais ça a beaucoup augmenté, il faut continuer que ça augmente. Donc oui, pour les OPJ, viendra le moment où les ministres de l'Intérieur, en tout cas les prochains, pourront désigner directement, en tout cas beaucoup plus que je ne le fais, les OPJ dans les commissariats, puisqu'on construit toujours des choses pour que les autres inaugurent. C'est tout à fait normal, et c'est ça la grandeur de la politique. Alors, à Montargis, où je suis allé, monsieur le député, il y a avant notre élection. Donc, oui, mais il y a beaucoup de villes en France. Il y a 36 000 communes. Je sais que je vous manque, mais je viendrai bien volontiers dans ce beau département du Loiret que je connais un peu. En effet, votre ville a été touchée dans des circonstances inacceptables, et notamment les commerçants qui bien sûr, voilà, et les effectifs du commissariat d'Ontargis n'étaient pas capables, par leur nombre, à faire face à cette violence. Et moi, je veux remercier leur travail parce qu'il a quand même été difficile. Alors, je prends l'exemple de votre commissariat. On ne va pas faire de bataille de chiffres, mais vous en avez quand même donné. Donc, on va quand même compléter les chiffres tels que, que tous ceux qui nous écoutent et qui doivent être nombreux à cette heure tardive, monsieur le président, ont envie de savoir combien de policiers au commissariat de Montargis. Donc, il y en a 75 en 2017, et il y en a 68 au 1er septembre 2023. Donc, il en manque en effet 7 par rapport à 2017. Donc, ce n'est pas tout à fait les chiffres que vous avez donnés, où il en manquait une quarantaine. Voilà. Donc, il en manque 7, c'est beaucoup, mais ce n'est pas 40 non plus. Alors, je constate que à Orléans, dans votre département, on est passé de 285 à 306.
Donc, d'abord, première chose, monsieur le député, moi, je ne fais pas de micromanagement. Il appartient au préfet ou à la préfète, en l'occurrence. Elle a des effectifs de police. Elle les répartit comme il l'entend dans le département. Donc, la consigne que je redonne, et je le redonnerai pour Montargis, c'est qu'il ne doit pas y avoir un commissariat en France où il y a moins de policiers maintenant qu'il y en avait il y a 5 ans. Donc, il y a évidemment un problème pour Montargis. Il faut augmenter les effectifs. Deuxièmement, vous savez que dans les circonscriptions de police plus petites comme Montargis, il y a un effet d'attractivité qui est difficile. Donc là, c'est pareil que pour les OPJ. Moi, j'ouvre des postes. Ils vont ou ils n'y vont pas. Bon, alors, je peux envoyer des sorties d'école. Et c'est ce que nous allons faire dans un certain nombre de commissariats. Et je vais vous l'annoncer ici, notamment Montargis. Mais ce n'est pas non plus une solution définitive. Parce que d'abord, trop de jeunes gardiens de la paix, quelque part, c'est jamais bon. Parce qu'il faut des brigadiers, il faut des gens qui les encadrent. Et deuxièmement, après, si c'est une punition, ils ont envie de partir. Donc il y a une question d'attractivité. Donc il y a aussi des collectivités. Tout n'est pas de la faute du ministère de l'Intérieur, même si on peut évidemment améliorer un certain nombre de choses. Mais par exemple, quand j'étais maire, moi, j'offrais, et c'était difficile de venir à Tourcoing, la gratuité des cantines pour les enfants de fonctionnaires de police. Ou une solution de garde, quoi qu'il arrive, systématiquement. Ou je m'arrangeais avec mon office HLM pour trouver des logements pour les jeunes policiers qui débutaient. Donc il y a peut-être aussi une petite RH à faire collectivement, vous voyez. Voilà. Donc on y travaille ensemble. En tout cas, j'ai bien conscience qu'il manque des effectifs à Montargis. Ils ne sont pas à la hauteur de ce que vous évoquez, mais sans doute votre emphase de vouloir absolument me voir venir dans votre circonscription vous a poussé à dramatiser la situation. Je veux dire à monsieur le député que j'ai moi-même publié le rapport Vigouroux, qui est un excellent rapport, et vous n'avez pas tout dit sur le rapport Vigouroux. Et c'est bien dommage, parce qu'il est en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur, vous pouvez le consulter au moment où je parle. Vous avez évoqué le racisme de la police contre les gens. Bon, d'abord, ce n'est pas le racisme de la police contre les gens. Je rappelle que M. Vigouroux, d'ailleurs, écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas de racisme systémique dans l'institution policière. D'abord, c'est dommage de ne pas le dire, parce que c'est ce que dit M. Vigouroux. Il a dit qu'il y a des policiers ou des gendarmes, parce que c'est un rapport qui touche les forces de sécurité, qui commettent parfois des actes racistes, homophobes, qui sont absolument inacceptables, bien évidemment. Ça, c'est le premier point du rapport de Vigouroux. Et puis il dit un deuxième truc. Il dit qu'il y a du racisme parfois entre forces de l'ordre. Non mais permettez d'avoir ma réponse parce que bon d'accord, je vous réponds plus alors très bien. Alors pour ce qui s'est passé pour M. Ciotti, vous avez évoqué la question des armes. Il n'y a pas de renseignement particulier pour savoir si on tire demain à balles réelles sur les policiers avec de la Kalachnikov. Il n'y a pas de note de renseignement qui l'évoque, mais c'est une préscience que chacun peut avoir. Alors il y a peu de faits où les policiers meurent, ou les gendarmes meurent en fonction, du fait qu'ils soient policiers et visés comme tels, sauf dans des opérations antiterroristes que vous connaissez. Sauf quelques rares exceptions qui sont très choquantes, notamment ce policier d'Avignon, vous savez, dont l'enquête dira s'il a été reconnu comme tel ou parce qu'il était en civil, était vu comme une sorte de bande concurrente. Mais enfin, en tout cas, il y a manifestement plus de violence contre les policiers et les gendarmes du fait d'armes à feu. Est-ce qu'elles sont généralisées? Non. Est-ce qu'elles sont de plus en plus importantes? Les faits commencent à nous le montrer. Utilise-t-on des armes de guerre type Kalachnikov contre les policiers et les gendarmes? À ma connaissance, ce n'est pas le quotidien des forces de l'ordre, fort heureusement, parce qu'il existe encore, me semble-t-il, une justice et un code pénal qui évoque le fait que quand on touche un policier ou un gendarme, on prend une peine extrêmement forte. Il faut faire attention à cela et redire, monsieur le député, que quiconque touche un policier ou un gendarme se verra mettre énormément de moyens pour le retrouver. C'est ce que nous avons fait pour tous les policiers et gendarmes qui ont été blessés pendant les émeutes. On a mis la police judiciaire systématiquement. Et vous avez remarqué qu'on a retrouvé beaucoup de personnes qui ont attaqué, y compris dans des conditions extrêmement nébuleuses, ces policiers et ces gendarmes. Et le pire étant sans doute ce qui s'est passé à Marseille, où deux policiers ont été molestés et laissés pour mort sur place. On a retrouvé les auteurs malgré la difficulté. Donc on met des moyens de police judiciaire extrêmement forts. On met les meilleurs enquêteurs, on met les meilleurs moyens technologiques pour retrouver ces auteurs et on les présente à la justice avec des preuves indiscutables et nous espérons qu'ils fassent 15, 20, 25 ans, 30 ans de prison. Parce que toucher un policier et un gendarme, c'est permettre une société de se déliter entièrement. Et donc je pense que ce qu'il faut faire quand on est mis à l'intérieur, c'est mettre énormément de moyens pour faire des moyens d'enquête quand un policier ou un gendarme est touché. Et évidemment, ce que je souhaite de l'autorité judiciaire, mais je constate qu'elle le fait, c'est de condamner extrêmement fortement. Tant qu'on fera ça, je pense qu'il y a une possibilité, monsieur le député, pour que le scénario noir du tir à l'arme de guerre contre les policiers n'existe pas. Je voudrais quand même dire que quand on lutte contre la drogue et contre les points de deal, on ne vide pas la mer avec une cuillère, mais on empêche les organisations criminelles de s'organiser militairement. C'est très différent. Regardez ce qui se passe en Belgique et en Pays-Bas, où on a laissé faire, malheureusement, l'argent. Et ce n'est pas le fait des gouvernements actuels, c'est ce précédent de la drogue. Ils ont pu avoir de la technologie, de la corruption, des armes de guerre et une organisation paramilitaire quasiment en face
de la police nationale. Et c'est pour ça qu'on lutte contre les points de deal. Et moi, je veux dire à nos concitoyens que, bien sûr, on ne va pas éradiquer totalement la drogue. Mais plus on donnera des coups contre les organisations de la drogue, plus on retirera de l'argent, moins ils seront forts. Et donc, ils pourront se payer des corruptions de fonctionnaires, des magistrats, des enfants qu'on veut kidnapper, comme ce ministre de la Justice belge qui a vécu sous protection, parce qu'il sait où la reine et le roi des Pays-Bas qui connaissent des menaces contre leurs filles. Et voilà, je pense que c'est très important. Donc il faut, c'est un continuum, est extrêmement fort, et je sais que vous partagez cette opinion, contre ceux qui essayent de toucher la vie d'un policier ou d'un gendarme. Alors, sur Boulogne-sur-Mer, évidemment, vous avez pris soin, monsieur le député, de dire que ça n'avait pas de lien avec l'audition, mais je comprends votre étonnement et votre question. Vous m'avez interpellé d'ailleurs ce matin. J'ai demandé au préfet du Pas-de-Calais, au préfet de zone, de pouvoir communiquer ce soir et d'aller à Boulogne-sur-Mer pour communiquer, pour dire qu'évidemment, nous prendrons en compte cette situation inacceptable. Je déploie une unité de force mobile aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer et sur la côte d'Opale pour que cela ne se reproduise absolument pas. Et troisièmement, j'y vois ce qu'en disent les services de renseignement et le travail que nous faisons, une sorte de nouvelle originalité des passeurs qui désormais utilisent des bateaux-taxis, si je comprends bien ce qui s'est passé malheureusement à Boulogne-sur-Mer, pour pouvoir utiliser la faiblesse des migrants et pour faire leur triste commerce. Parce qu'on surveille tellement la côte, vous le savez bien, puisqu'on a divisé par 15 le nombre de personnes qui pouvaient rester dans le Nord-Pas-de-Calais pour traverser la Manche, qu'ils utilisent d'autres moyens, et notamment ces bateaux-taxis, dont ce matin nous avons vu, ou cette nuit, une originalité voilà, que nous devons combattre. Donc je veux vous dire, monsieur le député de Boulogne-sur-Mer, non seulement que j'adore votre commune, mais vous le savez bien, et que par ailleurs, nous allons y mettre beaucoup de moyens, et j'ai demandé au préfet, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, de s'en occuper personnellement et dans les minutes qui suivent. Sur les CLSPD et sur, de manière générale, les réunions que nous avons avec les élus, ils sont essentiels. Et ça marcherait bien quand il y a police, élus, maire et justice, et notamment les procureurs de la République. Le garde des Sceaux a pris une instruction extrêmement importante qui peut-être est passée, sauf à travers les yeux d'excellent député Ribérotte, sur le fait que les procureurs de la République devaient désormais assister aux réunions des maires, ce qui n'est jamais arrivé, moi, quand j'étais maire, dans les assemblées des maires, et d'être présent systématiquement. Et je constate que c'est le cas de plus en plus. Donc oui, il faut sans doute relancer davantage. J'ai l'impression que c'est fait. Mais il faut sans doute le refaire. Et il y a sans doute à comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a un rétexte à faire, y compris sur pourquoi on n'a pas vu arriver. Et tous les maires de tous les bords politiques nous ont dit que voilà, ils avaient une vision extrêmement étonnée de ce qui s'était passé et que les médiateurs ne fonctionnaient pas toujours comme ils l'imaginaient. Ils pensaient que certains endroits étaient plus calmes et d'autres plus compliqués. Et ça a été l'inverse qui s'est passé. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé pendant ces émeutes. Et objectivement, c'est très difficile de le savoir comme ça en quelques instants. Mais vous avez tout à fait raison. Les outils de concertation pour lesquels vous avez fait un excellent rapport, me semble-t-il, monsieur le député, que vous aviez porté il y a un an maintenant, ou un petit peu plus d'un an, mérite en effet d'être davantage souligné. Vous avez vu qu'on a fait un gros mouvement préfectoral. Je le rappellerai à chacun des nouveaux préfets que je vois d'ailleurs demain, pour dire à quel point c'est très important de travailler avec les préfets et les sous-préfets. Voilà, je crois, monsieur le député, monsieur le président, les réponses que je pouvais apporter à vos questions. Merci à toutes et tous. Et donc, je lève cette séance qui était la dernière pour la session extraordinaire. Je souhaite donc à tous de bonnes vacances parlementaires.